madame, bonsoir messieurs. Merci d'être au rendez-vous du soir sur la télévision du Monde, c'est tout au clair de ce mardi et une édition qui portera essentiellement sur deux sujets majeurs. L'un est en rapport avec une proposition faite il y a quelques jours encore par un acteur politique de choix. Une proposition qui sera d'ailleurs matérialisée à travers un livre qui est attendu dans les tout prochains jours. La sortie de ce bouquin est annoncée pour le 17 novembre 2021 prochain. Il s'agit du président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, qui est au cœur et à l'ouvrage autour du fédéralisme communautaire. Mais pour les acteurs politiques, cette sortie ou alors cette annonce de sortie n'est pas d'une très bonne oreille. Certains pensent que c'est un tribalisme exacerbé que veut prôner le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Pour d'autres encore, c'est une façon pure et simple d'acter la sécession tant voulu par certains rebelles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mais où doit-on se situer autour de ce fédéralisme communautaire? La question est au cœur de cette édition de Tout au clair sur la télévision du Monde. Nous parlons également des relations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. On le sait, plusieurs Camerounais à travers des voices, mais également à travers des vidéos, ont fait parvenir au gouvernement de la République la situation qui est la leur depuis quelques jours au pays d'Obiang-Guéman-Bazogo. Que se passe-t-il quand on sait qu'elle doit ce pays de la sous-région Afrique centrale? Une question qui va être soir. Bienvenue à ce programme du soir, votre talk show. Mardi 12, c'est le page fait exacerbé ou sécession actée qui ont retenu notre attention et qui seront donc parmi eux le président national d'une jeune formation politique à part. C'est un féru de la politique au Cameroun, on ne le présente plus. Il a fait ses classes dans les formations les plus fortes du triangle national. Lui, c'est le président. Bien évidemment, Célestin Djamène, que nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus. Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutoumé, bonsoir à tous les téléspectateurs de RTM Télévision. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là et je pense que les thématiques sont fort alléchantes et que nous aurons l'occasion d'en débattre là-dessus. Merci à vous Célestin Djamène d'être avec nous. À part ça se passe bien, les choses avancent progressivement. Écoutez, à part poursuit son petit bonhomme de chemin, tant bien que mal, nous pensons que la première chose à faire, et c'est justement ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place les structures locales. On est en train d'implanter des cellules à Mbalmayo, à Figil et à Maroua pour l'instant, et à Daido un peu. Et je pense qu'on a 5 mois d'existence et nous avons déjà en pratique 5 présidents de région. Il va falloir prendre le temps pour les installer tous. Mais je crois qu'on se bat tous les jours sur le terrain pour pouvoir garder nos ambitions, parce qu'en vérité, un parti qui n'a pas d'ambition n'est pas un parti qui soit fiable pour les Camerounais. C'est pour apporter une proposition différente des vieux partis ou de la vieille opposition, n'est-ce pas, soi-disant libérale, qu'on a connue depuis 31 ans. D'accord. Et aujourd'hui, nous pensons que APA a une offre très différente à faire aux Camerounais. Merci beaucoup à vous, Célestin Djamène, d'être de notre ce soir. Juste à votre gauche, un autre qu'on ne présente plus, il a été des combats des années 90, et même avant les années 90, il était déjà dans la sphère politique, on le connaît pour sa virulence, mais surtout pour son sens critique et ses contributions multiples au développement et à l'avènement d'une ère nouvelle de la démocratie au Cameroun. Lui, c'est le président national du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Anicet Kané, c'est son nom. Président Anicet Kané, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est chaud dans le studio, mais bon. Ça lance les couleurs aussi. Oui, mais on se s'est arrangé qu'il fasse moins chaud. Mais ça va. Bonsoir aux téléspectateurs de RTM Télévision. Merci à vous. Alors, le Manidem, on n'entend pas beaucoup parler ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne vous intéressez pas au Manidem, vous n'entendrez pas parler du Manidem. Vous savez, la politique n'est pas faite que de faits spectaculaires, de tonitruances, de déclarations à l'emporte-pièce, d'inventions de tous les inepties du monde. Il faut construire le parti, il faut former ses cadres pendant ces périodes de transition. Il faut redonner de l'allant à l'organisation.
Et ça ne nécessite pas une grande publicité. Merci à vous, président Nicéi Kadé, d'être à notre compagnie ce soir. Un cadre du PCRN est de notre ce soir. Il est par ailleurs enseignant dans l'Université du Cameroun. Il est conseiller municipal à Douala 3e. Douala 5e, pardon. Alors, j'ai failli me tromper dans mes chiffres. Douala 5, plus précisément. Lui, c'est Marc Yanga qui est avec nous ce soir. Marc, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moutomé. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs. Dieu sait c'est combien ils sont aujourd'hui parce qu'ils sont scotchés, les militants notamment du PCRN, n'est-ce pas, pour suivre ces débats. Et donc, nous serons très intéressés à faire le meilleur de nous-mêmes pour que ce soit bien pour tout le monde. Davantage intéressant, surtout qu'on parle d'une proposition faite par le parti, et notamment le président, le fédéralisme communautaire. On aura le temps de revenir de long en large autour de cette... Ce n'est plus le projet du président, c'est notre projet. C'est le projet du PCR. Il faut s'en approprier. Et c'est le cas déjà. Merci beaucoup pour cette précision. C'est le projet du PCRN, le Parti Camerounais pour la réconciliation nationale. Le RDPC également est de la soirée avec un conseiller municipal de la deuxième, grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, la mairie de la ville, Charles-Élie Zanzan. C'est son nom. Bonsoir à vous, Charles-Élie Zanzan. Bonsoir, Frédéric. Merci de nous revenir. C'est un plaisir partagé d'être ici. Le RDPC, vous avez mis dans les placards. Pourquoi vous ne faites plus d'apparition? Vous êtes très discret ou alors très distant des médias? Non, c'est en fonction de la répartition qui est faite et la programmation faite par le professeur Boyomo. J'y vais ailleurs. Nous sommes tellement nombreux à partager la parole de Saint-Paul Barthélemy. Donc, nous sommes nombreux. Je vais très bien. Surtout que je viens d'être relayé du poste de président de l'association RDPC. Donc, vous risquerez de choquer un certain nombre d'acteurs sur ce plateau, même à la maison. Bon. Quand vous dites Saint-Barthélemy, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il parle pour le bien. D'accord. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous ce soir. Permettez d'ouvrir avec le représentant du PCRN. Le sujet porte essentiellement sur votre proposition. Fédéralisme communautaire, de quoi s'agit-il concrètement? Et on parle de quoi quand on nous évoque à chaque fois ce fameux fédéralisme communautaire? Merci une fois de plus de me donner la parole. Je voudrais d'abord, avant d'aborder le vif du sujet, évacuer quelques questions préjudicielles. D'abord, je suis seul ici sur ce plateau pour parler de la question. Et donc, je vais subir, n'est-ce pas, la pression des autres. J'espère que vous allez me donner suffisamment du temps pour expliquer. On le parle parti au programme et à la thématique. Oui, bon, donc c'est ça. La deuxième question préjudicielle, c'est que je dois vous remercier, hein, et à travers vous, tous les médias, qui parlent de cette question et donc du débat sur la forme de l'État au Cameroun. C'est une question essentielle. Et c'est vrai, les médias ne créent pas l'actualité. C'est les acteurs sur le terrain. Et c'est là où, n'est-ce pas, le privilège du PCN, c'est d'avoir créé le débat. N'est-ce pas? Et donc, tout à l'heure, on va en discuter. Deuxième chose que je voudrais dire, troisième d'ailleurs, c'est que nous remercions, n'est-ce pas, les acteurs politiques, nos contradicteurs. Écoutez, nous n'attendons pas que les gens viennent nous applaudir. Mais nous voulons un débat républicain pour la constitution du Cameroun. L'offre politique pour l'instant du PCRN, c'est le libéralisme communautaire, le fédéralisme communautaire. D'accord. Nous attendons les propositions des autres sur ce plan et donc nous allons en discuter. S'il vous plaît. La dernière chose, c'est des questions préjudicielles que j'ai vécues et puis après on va aborder la question essentielle. Quand on aborde le débat sur, n'est-ce pas, la forme de l'État de manière générale au Cameroun, qu'on le veuille ou pas, il y a deux tendances qui se dégagent. Il y a la tendance de mon ami Élise, hein, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, qui pensent que c'est la décentralisation, n'est-ce pas? Et il va voir tout à l'heure, quand nous allons évoluer dans le fond du sujet, il va voir que je ne suis pas trop loin de lui. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a un autre camp, le camp de ceux qui pensent qu'il faut le fédéralisme. Certains pensent au fédéralisme de 61 jusqu'à 72, c'est-à-dire qui était adossé aux vestiges de la colonisation, et fédéralisme linguistique et puis politique. Mais d'autres parlent encore du fédéralisme sans en donner le moindre contenu. Nous avons eu l'intelligence de donner un contenu que je vais expliquer abondamment ce soir.
Oui. Alors, justement, allons dans ce sens, oui. De nous expliquer. Fédéralisme, oui. Communautaire, vous avez mis sur la table quelques questions préjudicielles qui nous permettent d'entrer pleinement à présent dans le débat. Le débat, oui. C'est sur la question, vous avez parlé de forme de l'État et vous parlez de ce fédéralisme communautaire qui n'est pas très loin de la décentralisation. Alors, comment comprendre ce fédéralisme communautaire? Je n'ai pas dit que ce n'est pas très loin de la décentralisation, mais il y a des questions sur lesquelles nous allons nous retrouver avec... D'accord, mais comment comprendre ce fédéralisme communautaire? Justement, merci. Il se trouve que le Cameroun a été divisé, tout le monde le sait, au niveau des départements, sur la base communautaire. Monsieur Célestin Diamine, qui est là président, d'abord, il le sait, il est bagantin. Il y a tout un département du Ndé qui appartient au bagantin. Et quand je prends cet exemple, c'est plus généralement sur l'ensemble des territoires. Maintenant, lorsqu'il s'est agi de faire ce qu'on appelait à l'époque les provinces qui sont devenues des régions, on a fragmenté les communautés. On a fragmenté les communautés. Je peux vous prendre des exemples. Par exemple, ce qui a été appelé la région de la Sanaga maritime à une époque a été fragmenté. Et vous allez voir des exemples comme ça partout. Vous allez dans le Noun, c'est la même chose. Les Ticards ont été fragmentés. L'OPCRN dit ceci. Notre projet, c'est de reconstituer, n'est-ce pas, ces communautés pour faire ce que nous appelons les régions identitaires. En réalité, les gens, et ça c'est la démarche intellectuelle qui s'impose à nous tous, hein, c'est-à-dire qu'avant de critiquer quelque chose, il faut avoir la ferme conviction qu'on maîtrise parfaitement la chose. On parle d'un livre qui va sortir le 17, et dès qu'on prononce fédéralisme communautaire, ça provoque un tollé général. Alors que les gens ne connaissent pas le contenu. J'étais donc en train de dire, les départements au Cameroun sont communautaires. Qui ne dit pas que j'étais au village? Chez nous, on fait ceci. Ailleurs, on fait cela. Qui ne le dit pas? Tous, nous le disons ici. Nous devons donc assumer notre identité. Nous devons comprendre que c'est comme ça que nous sommes. Je vais vous dire, à propos, par exemple, de ce qu'on appelait les communes à une époque. Communes agro-pastorales. Voilà. C'était la compétition des régions, la compétition des communautés. Chacun vient avec quelque chose pour montrer que... Et c'est ce que nous souhaitons. Mettre donc ensemble les départements pour en faire des régions identitaires. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je serai très proche de lui. Sur une modalité, la décentralisation. Parce que quand vous avez fédéré les départements qui sont communautaires, en régions identitaires, nous ne parlons pas d'État fédéré, mais d'État fédéré. Parce que la confusion que les gens font... On veut créer une république fédérale où il y aura des États et il y aura des chefs d'État. Ce n'est pas ça. Nous sommes dans les régions. Sauf que nous voulons qu'il y ait une autre recomposition des régions pour qu'on ait des régions identitaires. Voilà ce que nous mettons sur la table. Permettez-moi. Et vous souhaiterez par là, s'il vous plaît. Oui, parce que s'il ne va pas au fond de cette question-là, je serai incompris. Ce que nous voulons donc, oui. Quand on a fini de faire donc des régions identitaires, l'État central reste. Et quand l'État central reste, l'État va transférer. C'est là où je reviens un peu disant dans son... dans sa décentralisation. Décentralisation. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas une décentralisation aboutie. Et il le sait, il est conseiller municipal comme moi. Il sait que, par exemple, lorsqu'on vote des délibérations, la dernière personne à signer sur la délibération, c'est bien le préfet. Cela suppose que c'est celui au patron, le vrai patron. Donc, quand il n'a pas signé sur une délibération, on ne l'applique pas. Ça, c'est ce qui est un péché, n'est-ce pas, dans la décentralisation que M. Zhang soutient. Maintenant, quand on a donc ces régions identitaires, au sommet, l'État central reste. Et nous disons que l'État central doit transférer les ressources, ressources financières, ressources humaines, au niveau des régions identitaires. Et les régions identitaires vont entrer dans une sorte de compétition pour qu'on voit, n'est-ce pas, sur le plan culturel, sur le plan des us et coutumes, n'est-ce pas, sur le plan même du développement, tout court, ce que chaque région est capable de faire. Je ne vais pas finir. Non, vous ne pourrez pas finir. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de vous laisser dérouler. Je voulais parler du ciment, parce que je n'ai pas fini. On nous reproche le fait que nous allons diviser le Cameroun. Nous disons, par exemple, que l'une des modalités du fédéralisme communautaire repose sur l'éducation. L'éducation, en 72, on nous a vendu l'État unitaire. Mmh.
Et quand on nous a vendu l'État unitaire, c'était sur le plan purement politique. À cette époque, les dirigeants de cette époque devaient mettre en place un seul et même système éducatif. Le ciment qui va faire l'identité nationale, c'est que nous devons, le fédéralisme communautaire dit, nous devons avoir un seul et même système éducatif. Où on enseigne, et là c'est l'enseignant qui parle, quand il y a 10 matières dans une classe, 5 sont faites en anglais, 5 en français. Quand vous avez fait une génération, vous avez des Camerounais parfaitement bilingues. D'accord. Qui ne revendiquent plus l'identité d'anglophone ni de francophone. Comme vous voulez me couper, merci beaucoup à vous. Célestin Djamène, on a donc une explication de ce fédéralisme communautaire qui semble diviser la classe politique. Vous, acteur politique, qui avez également une autre offre, même si on ne va pas évoquer votre offre, on l'évoquera déjà dans une autre émission, ça je vous le promets. Y a-t-il véritablement à se dire qu'il y a une option politique qui est mise sur la table autour de la forme de l'État? Je ne crois pas qu'il y ait une explication. Il y a une pseudo-explication. Je suis assez abasourdi de voir et de constater que des personnes très intelligentes peuvent pondre des idées assez exécrables. Les Camerounais se connaissent et s'aiment beaucoup. Depuis très longtemps, les Camerounais se mélangent. Les chiffres les plus crédibles nous font constater que plus de 68% de Camerounais sont issus de mariages interethniques. Les Camerounais se connaissent parce que, en vérité, on n'attend pas après un homme politique qui va proposer n'importe quoi pour vivre ensemble. Le vivre ensemble, on ne l'apprend pas. Le vivre ensemble, c'est depuis toujours, depuis des siècles au Cameroun. Vous irez dans le Grand Nord, vous aurez des familles Sawa qui y sont installées depuis très longtemps. Vous allez à l'Ouest, vous aurez des Bétis qui sont installées depuis très longtemps, ainsi de suite. Ce n'est pas un parti politique de venir nous apprendre le vivre ensemble. Et puis je vais vous dire une chose. La République, d'abord, c'est quoi? Pour moi, c'est un système politique où le pouvoir est transmis de par des élections et où on sollicite des électeurs pour confier un mandat à un représentant, qui peut être le président de la République, les parlementaires, députés, sénateurs, ainsi que les conseils municipaux et les conseils régionaux. Et dans ce cas bien précis, la République fonctionne sur la base de la citoyenneté. Ça veut dire qu'on ne juge pas les gens sur leurs origines de naissance ou sur leur identité. Dans une République, on ne reconnaît que les citoyens avant tout. Ça veut dire que la République est aux antipodes du communautarisme. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis d'abord Camerounais. Je suis peut-être, accessoirement, Banganté, mais je m'en fiche de ça. On nous dit, vous êtes d'abord Banganté, ensuite vous êtes Camerounais. Et il dit le contraire, justement. Je dis que je suis Camerounais. Et fier de l'être. Mais comment voudriez-vous? Les martyrs sont morts pour nous. Ils ne défendaient pas une cause communautaire. Au sein des Afana, Oumniobé, Ernest Ouandier, Abel Kigné, etc., etc., Moumien ne défendait ni la cause Bamoun, ni la cause de la Lékié, ni la cause de l'Union Ekélé, ni la cause de Bangou. Ils défendaient tous, ils en sont morts, pour l'indépendance, la souveraineté, la citoyenneté camerounaise. Et puis de deux, mon cher Fred, nous sommes quand même dans un monde mondialisé, où les grandes nations vont voir des grands ensembles. Regardez un peu, on est en train de construire la CEMAC, peut-être demain l'unité politique de l'Afrique, d'abord de la sous-région. Nous avons dans l'Europe occidentale l'Union européenne, avec les 11 de l'Union européenne, les 27 de Schengen. Vous avez en Asie l'ASEAN, où les nations se reconstituent pour constituer les grands ensembles pour contrarier et pour contrecarrer, n'est-ce pas, l'ogre américain, par exemple. Encore que eux, l'Amérique du Nord, ils sont ensemble. Et ici, en Afrique, au Cameroun en particulier, on est en train de débattre sur le charcutage des tribus, sur le saucissonnage, soi-disant, des communautés qui auraient un socle historique, ontologique ou anthropologique commun. Mais c'est une hérésie. Moi, j'ai une femme qui est Bassa. J'ai deux enfants au Cameroun.
quand j'étais étudiant en France, j'ai eu un enfant d'une Guadeloupéenne. Imaginez-vous que cet enfant guadeloupéen, donc avec une Guadeloupéenne, arrive au Cameroun, qui vit avec son père. Il sera classé où, dans quelle communauté? Et mes deux enfants, issus d'une mère Bassa, d'un père Banganté, seront quoi? Camerounais ou pas? Ils seront classés où? Parce que ce que propose le PCRN, c'est de raser toutes les régions actuelles, de reconstituer des régions sur la base des bantoustans, c'est-à-dire que le fondement serait le socle, soi-disant, de l'histoire commune, de la culture commune, de l'anthropologie commune, de la sociologie commune. Mais c'est extrêmement grave. On veut lier le Camerounais à un cerveau d'abord qui soit ethnique et tribal. Nous sommes Camerounais. Nous sommes dans une nation en construction. Et quand on vient vous rappeler votre identité tribale, mais ça contrecarre évidemment le projet commencé d'ailleurs par nos martyrs qui remontent à l'Orec prison. Nkoumou Mbappé. Ensuite, Douala Mangabel, les Martin Paul Samba, Ngossodine, Oum Yobé, Ouandien, Moumié, Ossène Dafana et tout le reste. Ces gens-là se sont battus pour la nation, pour le territoire camerounais, et pas pour la reconnaissance communautaire. Encore que, s'il vous plaît, faire une différence entre la communauté institutionnelle, parce que par exemple, la communauté médiatique. Mais Fred Mouton n'a pas aujourd'hui choisi de quitter le monde médiatique et d'aller vers le football, je ne sais pas moi, vers le sport. Il serait dans ce cas-là membre d'une communauté institutionnelle. Donc il est libre de muter comme il veut. Or, dans le communautarisme proposé par les services, qu'est-ce qu'on propose? L'individu est lié indéfectiblement à sa tribu. Il n'a pas le choix de s'en défaire. Imaginez un enfant qui s'appellerait Ntonien, né à Berlin, qui a grandi à Berlin, qui rentre à l'âge de 25 ans à Edea. Il y a des disputes politiques, des échéances politiques. Il trouve sur place un certain monsieur Kandem qui est né à Edea, qui a grandi à Edea. Eh bien, monsieur Kandem sera dégagé au profit d'un Tonien qui ne connaît ni le Cameroun, ni sa propre langue. Mais puisqu'il serait d'une région sociologiquement homogène avec les gens d'Edea. C'est extrêmement grave. Je ne suis pas pour l'interdiction du bouquin. Je pense qu'il faut justement que ça sorte, je crois que c'est sorti, pour que les gens se rendent compte de la bêtise. Nous devons aller vers ce pourquoi nos héros sont morts. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je prends l'exemple de Alice parce que Permettez à M. Diamandé d'aller au bout. On va prendre également la réaction de... C'est une référence pour nous. Merci. Alice est communiste et fier de l'être. Alice a une formation. Ses compagnons de route, ce ne sont pas les gens de sa tribu. Pas forcément, en tout cas. Il est dans une communauté socialiste ou communiste, comme on veut. D'accord. Moi, je suis socialiste. Pour ce qui concerne le Cameroun, franchement... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Merci. Pas la division de l'ethnie ou de la tribu. D'accord. Ça, c'est une hérésie. Il faut arrêter avec ça. Alors, Charles-Élie Zanzan, est-ce qu'on est dans une hérésie lorsqu'on met en avant ce communautarisme derrière ce fédéralisme-là? Ça fait pratiquement deux concepts mis ensemble pour permettre à ce qu'on voit un peu plus clair dans l'offre du PCRN. Monsieur Moutomé, je voudrais d'abord... dire à monsieur Yanga que j'ai apprécié son lapsus révélateur quand il a pris la parole. Il a dit libéralisme communautaire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai aimé ce lapsus. Quelqu'un avait dit ce qui se conçoit, aisément, les mots pour le dire sortent facilement. Lui, il est dans le libéralisme communautaire. Ça veut dire que c'est même ça que là, ils ont copié. Le libéralisme communautaire, ce livre écrit en 87 qui transcende le temps. Non, on ne parle pas de ça ce soir. Comment? C'est la même chose. Non, on ne parle pas de ça. Je suis venu parler de mon parti, de mon idéologie, et je vais parce qu'il a dit des choses qui concernent la vision politique de mon patron politique en y mettant des biais. Par exemple, la présence d'une autorité lors des délibérations dans nos mairies. Laissez-moi en parler. Pendant que le libéralisme communautaire parle d'un Cameroun uni dans sa diversité, où on prône la liberté, la responsabilité et la propriété, eux, ils nous amènent un Cameroun divisé tribalement, ethniquement, dans ses 250 composantes sociologiques. C'est très grave.
Lorsque mon grand frère Célestin parle de Tonien, mais Tonien, c'est un exemple, je veux dire, banal, cher aîné. Je vais te parler de Zang. Je m'appelle Zang. Il y a Zang au sud. Il y a Zang chez les Bafia. Quand Zang donc se retrouve donc à Yaoundé, il va donc où? Quand il faut parler donc de ce fédéralisme communautaire, on envoie donc Zang où? Est-ce que c'est le Zang des Bafia? Ou c'est le Zang des Boulou, monsieur? Je vais répondre. Ce que je voudrais donc faire comprendre, c'est que je vais répondre. Il faut faire très attention quand on arrive en politique et on a vu de vendre un concept dans un état relativement instable, entre nous, fragile, d'où la richesse première que nous avons, c'est ce cosmopolisme tribal que nous avons, qui est plutôt une richesse, et qui fait que Zanzan Charles-Élie est élu à Douala deuxième, Denis Fampou est maire à Douala deuxième, Emmanuel Pongo est maire à Douala deuxième. Comme pour vous, Kaba doit être élu seulement dans l'Union Ekélée, c'est comme ça donc que vous voyez vos choses dans le monde politique. C'est très grave. Donc je voudrais donc vous faire comprendre que le Cameroun que nous voulons construire, le Cameroun que nous voulons, et là, je continue toujours la même ligne que mon frère, moi j'ai une épouse qui est Bicoc. Elle est Lorraine. Je fais comment avec Curtis, mon premier fils qui a 10 ans? Il va où? Quand vous allez créer votre État fédéral communautaire, il va où? Il va chez les bêtises, chez moi là-bas, chez les Mveleux. Ou alors il va chez les Samama, il va chez les Bassa, il va où? Donc, monsieur, essayons donc, tant bien que mal aujourd'hui, d'asseoir une république où cette richesse est plutôt quelque chose de positif et que nous devons plutôt renforcer par les liens transcendants qui vont de gauche à droite et qui nous permettent comme ça de dire que le hachou que je mange aujourd'hui, qui a été une nourriture importée, est plutôt une richesse, car ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Quand je mange le ndolo aujourd'hui, je suis heureux de le manger, quoi que ça ne vienne pas chez moi. Avec ce que vous dites là, vous allez plutôt, au-delà de créer de la compétition, en parlant des commissaires agro-pastoraux, qui sont plutôt, de loin votre vision, le commissaire agro-pastoraux est plutôt un lieu choisi où tous les Camerounais convergent dans leur force, dans leur vitalité, dans leur savoir-faire agro-pastoral, élevage, agriculture, pisciculture, tout ça, pour montrer le savoir-vivre agro-pastoral camerounais et notre force. Alors avec vous, ça sera terrible. Ça veut dire que les Bafia vont créer leur commissaire agro-pastoral là-bas. Les Bamileke vont créer leur commissaire agro-pastoral là-bas. Les Boules vont créer le leur là-bas. Et vous allez arriver à un niveau où on va demander à Célestin Jamin d'avoir le visa pour entrer à Tiko. Ou on va demander à Zang d'avoir le visa pour entrer à Boumyebel. Ou on va demander à mon petit frère Valérie Mandengue d'avoir le visa pour arriver à Bafia. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans votre fédéralisme communautaire, j'ai l'impression, et là je voudrais vous dire, mon cher frère Yanga, que peut-être c'est un livre, et le buzz c'est pour le vendre, parce que quelque part, vous allez vendre beaucoup, mais si c'est une vision politique que vous avez, les Camerounais vous ont déjà dit non, arrêtez ça. Alors, vous n'êtes pas les Camerounais. S'il vous plaît. Alors, président Anicet Kanner, autour, s'il vous plaît, permettez, messieurs, permettez qu'on puisse avancer au débat. Président Anicet Kanner, à peine évoqué la question divise déjà, et on le sait, il y a un acteur politique et un acteur de la société civile en même temps, parce qu'il est à la fois politique et avocat au barreau du Cameroun, Maître Charles Tchungan, pour le citer, qui a dit qu'il fallait d'ailleurs interdire, par exemple, la vente ou la publication de ce document, afin d'éviter qu'on en soit à lire ce livre, à soi, à découvrir ce que c'est que cette offre autour du fédéralisme communautaire. Non, je pense que c'est une mauvaise proposition. Il faut laisser les gens s'exprimer. C'est comme ça qu'on sort du bois. Voyez, ce qu'il y a de paradoxal dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que en fait, on fait un débat sur la forme de l'État. On fait un débat sur le livre emballé du dirigeant du PCR. Parce que c'est comme quelqu'un qui a vendu une marchandise emballée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais c'est aujourd'hui qui... D'abord, il a dit le livre du président. Je ne sais pas si, avant de l'emballer pour vouloir le vendre, il a été pris en compte par tout le parti. Première chose. On ne sait rien. Ensuite, il a parlé des régions. Pourquoi pas le régionalisme communautaire? Pourquoi alors le libéralisme? Puisque vous parlez des régions, pourquoi pas donc le régionalisme communautaire? Ce serait plus approprié tel que vous présentez votre offre politique. D'ailleurs, il faut être humble.
dans les démarches politiques. Les propositions sur la forme de l'État pilulent dans ce pays depuis des années. L'UPC en a une depuis 1980, UPC combattante. Donc essayez de vous renseigner avant de dire que vous sortez quelque chose d'exceptionnel. Le débat sur la forme de l'État, ben, elle, il n'a pas commencé aujourd'hui. Je voudrais justement, pour qu'on se comprenne, voir pourquoi ce problème de la forme de l'État pose un problème. Quand l'UPC est créée en 1948, elle s'appelle Union des populations du Cameroun. Il y a le mot union qui veut dire intégration. C'est-à-dire on part d'une situation où il peut y avoir des tensions communautaristes. On crée un parti dans le but d'intégrer les communautés. Donc l'UPC part déjà dès le départ sur l'idée de l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux sortes d'intégration. Il y a l'intégration objective. Le fait que les Camerounais vivent ensemble, comme Diamé l'a dit, sans qu'on le demande à qui que ce soit. Il y a une intégration, les mariages, la nourriture, la musique, le vestimentaire, etc. Donc, il y a une intégration objective qui ne dépend pas de la volonté de qui que ce soit, mais de la proximité territoriale et de vécu des Camerounais. Et il y a une intégration subjective qui serait donc celle qui est accélérée par l'État en prenant des dispositions telles que une langue nationale, ni le français, ni l'anglais, hein. Pas le français, pas l'anglais, une langue nationale, des langues régionales, qui sont des langues nationales. Parce que tout à l'heure, vous parlez du nouveau système camerounais, où on apprendrait le français et l'anglais. Mais où, nos langues dans votre fédéralisme communautaire, elles deviennent quoi? Donc, moi je pense que ce qui pose problème dans ce débat sur la forme de l'État, c'est qu'il y a ceux qui pensent que la vie est un statu quo absolu. Il y a des communautés, il y a des ethnies, il y a des tribus, pour que chacun reste ce soir. Parce que nous sommes ça, il ne faut pas se poser les questions. Mais la vie est une dynamique. Une dynamique pour une nation, elle est intégrationniste. Elle n'est pas une dynamique de division ou de statu quo figé. Quand nous faisions notre proposition, je vais la détailler tout à l'heure, elle était conçue sur le principe des cercles concentriques d'intégration. C'est-à-dire des choses basiques jusqu'aux choses majeures, subjectives d'un État qui prend sur lui de construire une nation intégrée. Vous partez d'une nation plus ou moins déjà intégrée, à un retour, une nation qu'on veut désintégrer, en revenant à certains, si on peut estimer, un point de départ. Ce qui me choque peut-être davantage dans cette affaire, c'est que quand vous avez pris l'exemple sur les régions déstructurées, des communautés, vous avez pris la communauté Bassa. C'est pas la communauté Bassa. Vous la connaissez. La Salaga. Je vais vous expliquer. C'est pas la communauté. Non, je peux terminer la Salaga maritime. Vous savez, il y a un courant depuis. C'est pas la communauté Bassa. Je peux. Allez, je vous en dis. Il y a un courant depuis. C'est pas le socle et non. S'il vous plaît, permettez. Vous allez prendre la parole juste après, s'il vous plaît. Bassampo. Bassampo Bati. Bassampo Bati. Vous voyez, ce n'est pas le. Oui, Bassampo Bati. Alors, je veux dire. Comme par hasard, s'il vous plaît. Il y a toute une dynamique maintenant des réunions, des propositions pour la 11e région du pays. Donc c'est pas un hasard que ça revienne ici. Et quand on regarde les résultats de 2018, il y a une tendance, elle n'est pas absolue, mais une tendance à la régionalisation des résultats. Voilà. Et vous cramponnez à ce statu quo. Alors que c'est ça pose un problème sérieux. Ça pose un problème sérieux. Donc, ça me permet aujourd'hui, donc, de dire en 1980, fort de notre philosophie péciste, quelle est la proposition qu'on avait faite? En fait, on avait dit qu'il faut faire quatre régions géographiquement proches, économiquement viables et culturellement homogène, avec
des langues régionales. Par exemple, pour la grande région de Haut Plateau, la langue que nous avions proposée, c'était le Mendumba. Pour toute la bande côtière qui a une géographie similaire, une culture similaire, on avait choisi le Douala. Pour la grande région de la forêt équatoriale, les Hondo, et puis pour le grand nord sahélien, on avait dit on va proposer des noms, c'était le Foufoulde. Mais avec toujours l'objectif prospectif d'une langue nationale qui côtoie les langues régionales. Tout ça dans le but d'intégrer notre pays dans sa diversité. C'est en cela que... Bon, ça me pose un problème parce que... Parce que son président a dit dans une sortie que le projet du PCRM se rapproche du projet du Manidem. Ces deux projets sont aux antipodes. Merci beaucoup, président Nissé Kane. Alors, M. Yanga, est-ce que ce n'est pas un peu... c'est pas du bis repetitas? Un peu du fédéralisme, du libéralisme communautaire, un peu de l'idée prônée à la fois par le Manidem et même les pères fondateurs à travers l'UPC, que vous avez dépoussiéré pour remettre au goût du jour. Le principe en même temps. En vous disant que finalement, posé sur la table, vous remettez sur le devant de la scène la problématique de la forme de l'État. Ceux qui font la richesse savent que on peut développer une idée ailleurs et la contextualiser ici. Et je me rends compte que le président Ikane Anissette est d'accord avec moi. Nous n'avons jamais, oui bien sûr, nous n'avons jamais dit qu'on va diviser le Cameroun en 20, en 40. Le propose 4. En fait, hein, sachez que vous l'avez suivi. Permettez-moi, monsieur Ndiamène. Allez-y. Vous avez suivi, le président Ikane est parfaitement en harmonie avec moi. C'est-à-dire que lui... Non, laissez-moi parler, monsieur Ndiamène. Laissez-moi parler. Allez-y. Ne m'amenez pas à vous dire que mettez votre projet sur la table. Il y a un projet, monsieur. Non, non, mettez ça sur la table. Un projet. Bon, invitez-nous pour parler. On parlera du projet de Sébastien Djamel. Invitez-nous pour qu'on parle du projet. Merci, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Allez-y, c'est vous qui avez la parole. J'ai dit que, d'abord, j'apprécie l'humilité, n'est-ce pas, du président du Manidem. Il a reconnu que lui nous propose de reformuler le titre pour parler de régionalisme. C'est ce qu'il dit. Ce serait mieux que... Voilà, j'ai dit donc que... Parce que le libéralisme est une conception socio-économique. Présent. D'accord, merci président. Allez-y. Permettez-moi de dire. Pour dire que je suis satisfait de ce point de vue que le président, tout ce qu'il dit, parce que nous disons que on va continuer à utiliser le français, mais la perspective lointaine, c'est justement de créer des langues nationales. Mais pour l'instant, pour nous voir, elles existent. Oui, pour l'instant, enfin, pour les mettre au niveau des régions, n'est-ce pas ? Sur le plan scolaire. Voilà, sur le plan scolaire. Mais pour l'instant, il est difficile d'implémenter ça à court terme. À court terme. Donc, comme on ne peut pas le faire à court terme, le ciment de l'identité nationale va être ces langues étrangères qui sont partagées par tout le monde en attendant d'arriver à cet objectif final. C'est scandaleux. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Vous êtes trois, et donc si vous ne pouvez pas me permettre de parler, ça va être un problème. Je vous donne le temps de parler. Merci beaucoup. Alors, ne faisons pas la démagogie. Les gens sont allés à Yaoundé, et c'est ton parti, M. Zang, qui a provoqué ça. Qui dit qu'il faut qu'on adopte un statut spécial pour les gens. Quand vous estimez donc que les Camerounais... Vous étiez acteur, s'il vous plaît. C'est eux qui ont convoqué le Grand Dialogue. Mais vous étiez acteur du Grand Dialogue national. Je ne refuse pas. D'accord. Je ne refuse pas. Mais les conclusions de ça ont abouti à ce qu'on crée un statut spécial pour certains. Mais d'autres vont demander des statuts spéciaux. Mais d'autres régions. Bon, je regrette que notre camarade Limbi ne soit pas ici aujourd'hui. Il a souvent parlé, il a dit que les places des Sawa doivent revenir au Sawa. C'est un statut spécial qu'il veut. Oui, mais bien sûr. Donc, laissez-moi, M. Zan. Vous allez... Défendez les idées de votre président. Oui, mais c'est ce que je développe. Et je reconnais, n'est-ce pas, le point d'intersection entre le président et moi. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Maintenant, je continue en disant que
On a créé, on a envie de créer. Regardez ce qui se passe, les mouvements de revendication partout. Parce que chacun a un problème, il veut. Nous voulons que les populations prennent en main leurs responsabilités. En créant donc ce que nous avons appelé le fédéralisme communautaire. Qui n'est pas à confondre avec les autres formes de fédération. Par exemple, en Éthiopie, on va vous dire que c'est sur la base ethnico-linguistique. Ce n'est pas ce que nous voulons. Au Liban, on va vous dire que c'est un pacte religieux. Ce n'est pas ce que nous voulons. Au Nigeria, à côté de nous, on vous dit que c'est des États fédérés. Nous n'en voulons pas. Nous voulons des régions qui soient des régions autonomes. Voilà le point de vue. Je voudrais dire à Célestin Diamen qu'il est hors sujet. Quand vous dites vous voulez les régions, vous en voulez combien? Vous en voulez combien? Quatre comme le Manidem ou l'UPC depuis sa création? Le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire est une vision. La vision étant acceptée, il y a des modalités d'application de la vision. On peut être d'accord avec ce que le président Mandem dit, c'est-à-dire divisons en quatre régions. D'autres peuvent estimer qu'on peut aller à 10 régions. Ça va dépendre des modalités qui vont être, en tout cas des réalités qui vont être nôtres. Puisque vous nous dites qu'il faut rapprocher les communautés, j'en viens à Célestin. Vous nous dites qu'il faudrait, s'il vous plaît, Célestin, permettez-moi de le relancer. Vous nous dites, vous voulez rapprocher les communautés selon leur... Ils vont faire comment? Leur aisance sociologique. Alors, si vous nous dites 10 régions, on est toujours dans la configuration de la décentralisation actuelle qui se veut être accélérée. Si on nous dit 4 régions, on est à peu près dans ce que nous propose le Banidem et l'UPC dans sa configuration initiale qui veut que ces communautés restent dans cette diversité-là, mais que dans cette diversité, qu'on puisse vendre un Cameroun uni. Non, M. Moutomé. Je vous ai dit que dans l'application, n'est-ce pas, du fédéralisme communautaire, il y a des modalités. Le livre ne peut pas tout définir. Le livre, c'est-à-dire qu'il jette les jalons, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire, une vision. Et maintenant, dans les modalités d'application, on verra la faisabilité. Hein? On peut aller à 5, à 10, à 15, à 20 régions. Laissez-moi poursuivre. Quand j'entends ici, on me dit qu'avec le fédéralisme communautaire, il n'y a pas de vivre ensemble. J'ai l'impression que mon ami Célestin Diamène est hors sujet. On n'a jamais dit que quand on crée les régions, le vivre ensemble est fini. On n'a jamais dit ça. Monsieur. On n'a jamais dit ça. Pas besoin de le dire. On n'a jamais dit ça. Vous pouvez prendre la parole. On n'a jamais dit ça. On dit que les départements sont communautaires. Il faut aboutir aux régions communautaires. Quand on a fini ça, maintenant, en termes de découpage, on va voir la faisabilité après pour savoir combien de régions on peut en avoir. Quand on a fini de faire ça, maintenant les modalités, par exemple, lui propose, par exemple, qu'il y ait plutôt des langues de chez nous qui soient enseignées à l'école. Tout à fait. Mais pour l'instant, nous nous disons que les langues, c'est l'objectif, c'est la finalité du processus. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de créer un système qui soit un système commun. Le bilinguisme français-anglais. Oui, c'est ce que nous pouvons. C'est ça, le bilinguisme dans un pays... Oui, mais monsieur le président, je vais vous dire que les langues, n'est-ce pas, des affaires, les langues de la recherche, il y a d'abord l'anglais et ensuite le français. Et pour nous qui sommes des francophones. Oui, donc pour l'instant, en attendant d'ériger nos langues, c'est pas des langues de vie sociale. La vie sociale, c'est celle qui crée des nations. C'est pas la recherche. Président, permettez-moi d'avancer. Oui. Pour dire donc que, il ne s'agit pas du tribalisme, parce que j'ai entendu dire qu'une région Bassa, alors que dans cette région, il n'y a plus que des Bassa. Mais justement, la communauté politique aujourd'hui pense que le fédéralisme communautaire est une mise en avant de ce tribalisme qui est déjà assez répandu à travers le pays. Non, c'est déjà là. Tout le monde, vous avez parlé du statut spécial. Pourquoi on crée un statut spécial pour des gens? Si on ne reconnaît pas qu'ils ont des particularités que les autres n'ont pas. Mais n'avons pas une chose, et dans un autre temps, on nie ça. Maintenant, monsieur Elisan, quand vous dites, bon, j'ai fait un lapsus, évidemment, tout le monde peut faire les lapsus. Mais pourquoi le communautarisme, tel que vous avez évoqué en 87, n'a pas posé de problème? Puisque vous parlez de libéralisme communautaire, je n'ai pas vu monsieur Diamène dire que communautaire, on n'en veut pas, pourquoi on en parle? Il a même applaudi pour ça. Il a applaudi pourquoi? Oui, bien sûr, puisque vous soutenez cette thèse-là. Je me suis déjà expliqué. Non, à plus, je vous ai dit... Je me suis déjà exprimé. Opposé au fédéralisme communautaire, votre projet de société. Antinomique. Je vais aller plus loin, parce que tout à l'heure j'ai été interrompu. Allez-y. Tout à l'heure j'ai été interrompu. Le ciment national, ce n'est pas que la réforme du système éducatif. Le ciment national,
c'est aussi la réforme du système judiciaire. Parce que la crise anglophone, ce qu'on appelle anglophone aujourd'hui, quelle est la communauté au Cameroun qui s'appelle anglophone? Aucune communauté ne s'appelle communauté anglophone. Mais les gens, sur le plan linguistique, ont créé donc une communauté et font la guerre au nom de cette communauté. Nous disons que si vous mettez ensemble dans ce système-là, si on se rend compte que, par exemple, c'est la common law sur le système judiciaire qui semble être bonne, mais on applique. Si on pense que c'est le mélange de tout ça qui est bon, on applique. Et on a un seul système judiciaire, on a un seul système éducatif. Et avec ça, il y a un ciment national. Élise, vous dites que vous avez une femme à ça, ce n'est pas de cette question qu'il s'agit. J'ai bien peur de vous dire que vous êtes aussi hors sujet. Et de toute façon, nous savons tous, M. Moutomé, quand vous épousez une bazar, ses enfants ne sont pas bazar. Vos enfants sont, je ne sais pas si vous êtes douala, vos enfants sont douala. Tu vas ça. Voilà. Si tu es bazar, donc, si tu épouses, c'est pas moi, une fille de l'Est, ses enfants sont d'abord les enfants bazar. Pas ça. Pas deux parents. Hmm? Non, non, il a ça. Il a ça, mais je vais vous dire que, M. Djamel, nous sommes tous de cette communauté-là. Incroyable. Vous ne pouvez pas, votre enfant, par exemple, je vous donne ma fille. Je vous donne ma fille en mariage. Vous ne donnez rien du tout. Pardon. Allez-y. Ces enfants n'auront jamais de terrain. Je n'ai pas demandé votre fille. Ces enfants n'auront jamais de terrain chez moi. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et pourquoi on ne veut pas l'avouer? Pourquoi on trouve que, quand on a parlé du libéralisme communautaire à une époque, c'était une bonne chose? Quand on parle du fédéralisme communautaire aujourd'hui, ça devient un autre problème. Pourquoi? Alors, quel est justement le problème autour de cette idée fédéralisme communautaire? Est-ce la communauté qu'on veut mettre en avant qui cause problème ou alors le problème est ailleurs? Le problème, Frédéric, c'est de faire passer la communauté dans le champ politique. On ne devait pas faire passer la communauté dans le champ politique. La communauté, la culture, ça reste la communauté et la culture. Le champ politique, c'est un champ d'idées. On parle de citoyens, de militants. Si je suis militant communiste, je suis président de la part, mais si j'étais militant du Manidem, j'aurais embrassé les idéaux de Manidem, qui ne sont propres à aucune région. Et puis, il y a quand même une opposition terrible entre Manidem et vous, le PCRN. Anissé vous parle d'un bilinguisme camerounais africain. Nous sommes d'accord sur ça. Vous parlez bilinguisme d'origine coloniale. Permettez-moi. Je ne vous ai pas interrompu. D'un bilinguisme colonial. Colonial. Et ça n'est pas acceptable. Nous voulons bannir l'anglais et le français comme langue officielle du Cameroun. À court terme, vous ne pouvez pas. Je n'ai pas dit à court terme. Voilà. Je n'ai pas dit à court terme, mais le débat n'est pas là. À court terme, je dis que. Monsieur Djanga. Je dis que le Cameroun n'est pas un pays bilingue, c'est un pays multilingue. Les colons ne peuvent pas nous imposer leur façon de voir. Le Cameroun, par exemple, a plus de 250 ethnies. Dans ces 250 ethnies, on peut trouver une langue nationale. Je ne suis pas pour l'effacement. Je ne suis pas pour l'effacement culturel, cher monsieur. Je suis pour distinguer entre la culture chez l'Impobati, chez l'Ongondo, Mzumba, Ngouon, etc. et Singan. C'est la culture, c'est nos richesses culturelles. Nous voulons mettre ça en permettez-moi. Ça n'a pas à rentrer dans le champ politique. On n'a pas à constituer des régions. Président Djamel, on fait la politique avec ses entités culturelles. L'État, la République, mon cher Moutoumé, ça n'est pas une juxtaposition des communautés. L'État ne s'occupe pas des intérêts particuliers. Permettez. L'État ne s'occupe pas des particularités, des intérêts particuliers. L'État n'a rien à foutre de la bonne ou mauvaise organisation des communautés. Ça regarde les communautés. Faites des associations Banjoun à Douala, Batié ou Dibombar et ça ne concerne pas l'État. L'État là est là pour préserver les grands équilibres. Il faut avoir une vision du Cameroun. On ne peut pas venir introduire le fait que l'Envelé, les Maka, les Mbaya de l'Est vont se joindre sociologiquement aux Zekang, Béti, les Boulou et Wondo, parce que c'est le même socle granitique, idéologique et sociologique ou anthropologique. C'est extrêmement dangereux. Vous avez le livre de Mein Kampf, de Hitler, Mein Kampf. C'est comme ça qu'il commence à stigmatiser les populations. Est-ce que les préoccupations, des Camerounais à l'heure actuelle, et je remercie le Manidem à l'époque parce qu'il parlait beaucoup de problèmes d'électricité, problèmes d'eau potable, problèmes sociaux.
Les préoccupations des Camerounais, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la communauté, ce n'est pas le socle granitique. Les préoccupations des Camerounais aujourd'hui, c'est les bons hôpitaux. Pourquoi il y a la guerre? Permettez, les bonnes routes. Si ça vient, pas de communauté. C'est une bonne flotte, une compagnie aérienne, potable, etc. etc. Ce n'est pas le problème de communauté. On vit. De communauté. Permettez-moi, monsieur. Laissez-le aller au bout. Laissez-le aller au bout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Nous vivons ensemble depuis très longtemps. Il y a des mariages interdits depuis très longtemps. Vous voulez effacer les 10 régions. Pour instaurer les régions sur les bases anthropologiques, soi-disant culturelles et sociologiques, c'est un danger mortel pour la République. Ah, vous êtes contre le Madidam aussi? C'est un danger mortel. J'exprime mes idées, monsieur. Je pense d'abord que les termes anglophones doivent être supprimés, ou en tout cas interdits et francophones. On doit interdire les termes francophones et anglophones, parce que ça, c'est l'obsession de l'héritage colonial. Nous avons des valeurs africaines. Ce qui préoccupe le Cameroun aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aura nos enfants qui auront un travail demain, correspondant à leur cycle, à leur cursus académique, à leurs compétences. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de savoir si on va prendre les gens de la Sénaga maritime, de l'Union Ekélé, ou bien les bassins du Sud-Ouest, les rassembler dans une région. On prendrait dans ce cas-là les Barombi, les Bakweri, les Bakossi, pour les faire rejoindre aux gens de ceux de Dimombari, les Pongo, les Ewodi et les Douala du Vouri, pour en créer une région sur les bases identitaires et ethniques. C'est extrêmement dangereux et à terme, le Cameroun disparaîtra. Je suis donc pour la préservation de l'unité nationale parce qu'en vérité, quand on parle de communauté, on est en train de détruire la nation en construction. Donc moi, je redis ici que autant je suis pour que ce livre paraisse, parce que c'est la liberté d'expression, c'est vrai, mais en tout cas, l'État se veut le précurseur, en tout cas le détenteur de l'ordre national, de l'unité nationale, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle des préoccupations qui ne concernent pas les Camerounais, j'en ai rien à cirer qu'il y ait des régions bamilékaines. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça vous intéresse? Je veux que demain, vous parlez à ma place, monsieur. Demain, je veux que nous construisions des avions, qu'on mette en orbite des satellites pour le Cameroun, qu'il y ait des ingénieurs camerounais partout. On ne tient pas compte de leur origine régionaliste ou tribaux. Ça n'a pas de sens. Donc moi, je redis ici aujourd'hui qu'il faut combattre ces idées extrêmement dangereuses. Regardez un petit peu l'Espagne qui a créé 4 régions autonomes. La Galice, l'Andalousie, la Catalogne et je crois le Pays Basque. Ça a résolu quel problème en Espagne? Ça n'a rien résolu. On parle de la Suisse qui a 4 langues, mais 26 cantons. C'est bien la preuve que ce n'est pas basé sur les langues, sur les ethnies, si j'ose dire. Prenez le cas du Liban, où ils ont tenté le truc communautaire sur les religions. Mais c'est la guerre tous les jours. Prenez le cas de l'Éthiopie, c'est la guerre tous les jours. Il faut aller vers l'unité nationale. Aïjo a essayé, même si le président ici à côté de moi, qui n'aime pas trop que j'en parle, mais en tout cas, Aïjo faisait aussi partie de ceux qui ont contribué à la confection de l'unité nationale. Avant lui, il y a eu bien d'autres encore. C'était l'équilibre de la terreur. Oui, peu importe, mais il n'était pas un communautariste. Il n'était pas communautariste. Ce que je veux dire, c'est que Fred Moutoumé, beaucoup de nos prédécesseurs en politique sont morts pour la patrie, pas pour la communauté. C'est antinomique. Et puis nous sommes dans un monde mondialisé. Je vous l'ai dit en début d'émission. Il faut aller vers là. Nous sommes déjà des petits états en Afrique. Vous voulez encore qu'on construise des régions sur des bases communautaristes, régionalistes? Mais c'est extrêmement dangereux. D'accord. Mais que veulent les Camerounais? C'est d'aller vers l'avant, d'observer la grande défi. Ne peut-on pas aller en avant avec ce communautarisme? Le président Paul Biya en 87 avait déjà proposé le libéralisme communautaire. Voilà. Cela a été son socle, cela reste d'ailleurs son cheval de bataille sur le terrain. Une idéologie qu'il continue à défendre et à engranger des victoires au fil des années. Ce sera peut-être encore peut-être son cheval de bataille en 2025, si jamais il est candidat à cette élection présidentielle. Pourquoi est-ce que un certain nombre d'acteurs politiques s'insurgent contre cette proposition communautariste? Je vais faire quelques précisions. Quand il y a parlé de libéralisme communautaire, il voulait dire que la vie socio-économique, elle essaie que chaque région, en fait, c'était l'équilibre, il parlait de l'équilibre de la terreur, qui est la compétition dont parle monsieur Yanga, la compétition des régions. Développez-vous, chacun de son côté, libéralisme. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la compétition.
Les régions ne doivent pas entrer en compétition dans un pays qui s'intègre, M. Yanga. Ce qui caractérise un peu la démarche, cette démarche que vous soutenez, c'est son côté surenchère et puis politicien. Parce que vous semblez là penser que, enfin, ces propositions, tous ceux qui sont identitaristes ou communautaristes vont vous applaudir. Ah, puisque vous avez même pris l'exemple de M. Dimbi, il veut dire, ah, vous voyez, comme ça, chacun reste dans son coin. Non, vous voulez contenter, en fait, en même temps, là, vous voulez contenter c'est tout pas le monde. Ça, c'est pas non, ça. Non, je peux finir. Oui, vous allez finir. Vous bon. Deuxième chose, vous avez dit, ce n'est pas possible tout le temps, depuis les années 70. Le professeur Tata Dieu, qui est mon camarade de classe, avait déjà élaboré toute une possibilité en moins d'une génération d'arriver à des langues nationales du pays. Vous savez, si on commence à parler le Mindoumba à la maternelle, 10 ans après, tout le monde parle le Mindoumba. Hein? Non, je suis d'accord. Ah, d'accord, donc ne dites pas que vous ne voulez pas diriger le Cameroun demain matin. Je crois que ce serait difficile. Donc votre projet de société doit tenir compte qu'on est dans un processus. Donc commencez dès maintenant à valoriser les langues du pays pour que dans 10 ans, nos enfants parlent Mindoumba, Bassa et Wondo, pas anglais et français dans notre système éducatif. C'est en cela que ces propositions de contenter tout le monde en même temps, on prend un peu à gauche, on prend un peu de, on fait de la sauce bouillabaisse, on prend à droite, on contente, on prend à gauche, on contente. C'est ça la démarche un peu qui s'apparente beaucoup à ce libéralisme communautaire. Parce qu'il y a une équipe de la terreur. On ménage toutes les communautés comme ça. Il n'y a pas de problème. Chaque communauté est caporalisée par ses élites. Et il y a, soi-disant, la paix sociale. C'est la même démarche. C'est en cela que c'est dangereux. C'est-à-dire que vous parlez de communautés. À Baganté, un camarade m'a fait la remarque. Mais il y a 13 communautés à Baganté. Il n'y a pas oui, que les. Tu as les Baroques, oui. Et dans le nord-ouest, il y a des communautés bamlékées qui se retrouvent. Bien sûr. Comment vous avez fait les Bali. Vous partez de département communautaire, vous allez plus loin. Au lieu d'intégrer, vous montez plus haut. C'est-à-dire, vous allez aux régions communautaires. Ça veut dire que vous ne voulez pas intégrer, vous voulez consolider. Dans tout ce temps. La division. En créant des bantoustans à la tête desquels trôneraient des chefs bantoustans. Ce n'est pas le Cameroun que nous devons proposer à nos enfants. C'est en cela que, bon, votre proposition, qui est encore emballée, hein, parce que le livre... Et quand vous complétisez déjà là Vous reviendrez, s'il vous plaît. Pour votre gouverne, oui. Je pars de l'idée d'intégration de départ de l'UPC. Quand elle se crée, il y a des communautés, il y a des populations. Population, là, s'apparente à communauté. Hein. Oui, oui. Et c'est l'union des populations du Cameroun. Ce n'est pas le statu quo des communautés. Ensuite, la régionalisation du pays a un but de rapprocher les administrés des administrateurs en leur donnant la possibilité de s'auto-développer, comment je veux dire, de s'exprimer dans leur environnement social. Mais il n'y a pas de concurrence entre les régions. Tout ça doit contribuer à grandir la nation camerounaise avec un État centralisateur. Parce que nous, on est pour le panafricanisme. Vous imaginez que établir, bâtir une perspective communautariste, alors que nous voulons renforcer l'intégration de l'Afrique. C'est en cela que notre position, justement, sur le Nouveau, rapidement, est logique. Le Cameroun est déjà petit. Voilà. Et il y a des gens, sous prétexte que, bon, ça arrange leurs amis, qui veulent dépecer encore, le rendre encore plus petit, pour être à la merci. Et qu'est-ce que vous faites du statut spécial? Je réponds rapidement. Très rapidement. Vous savez, le statut, que veut dire le statut spécial? Le statut spécial donne une spécificité, liée à la crise, deux, liée au développement autonome.
ça n'a aucune espèce de désintégration. Bien au contraire, quand les gens veulent se sentir à l'aise, ils font une réclamation qui est partie sur des revendications légitimes. Et on leur donne le statut spécial. Vous savez, un statut spécial n'est pas nécessairement quelque chose d'anormal. On peut par exemple estimer que... On peut par exemple estimer que la répartition des richesses nationales tient compte de l'implantation des grandes unités. Je donne un exemple. C'est quand même paradoxal que à côté des grandes centrales d'électricité de notre pays, par exemple Saint-Loup, il n'y a pas l'électricité à Saint-Loup au niveau des populations. Voilà. Un statut spécial pourrait par exemple être, même si c'est momentané, que l'électricité autour des populations qui sont dans la centrale soit gratuite ou à moins de prix. Là, rien de désintégration. C'est un ajustement socio-économique. Quand on parle de communauté, c'est... Alors, Charles-Élie Zanzan. C'est localisé, c'est géographiquement. C'est monsieur, merci. C'est pas lié aux ethnies qui vivent. Merci. C'est géographiquement lié. Monsieur Langa, s'il vous plaît. Vous allez prendre les habitants sont de plusieurs ethnies. Merci beaucoup. Alors, Charles-Élie Zanzan, on est en plein dans la division du Cameroun avec ce fédéralisme communautaire. Ou alors, c'est mettre finalement en péril le socle de l'unité nationale et de l'intégration. Monsieur Motomé, je suis du RDPC. Attends, je suis du renouveau. Et je suis pour le libéralisme communautaire. Fait donc fédéralisme communautaire d'une façon ou d'une autre. Non, non, c'est différent. Et c'est là où je m'explique donc en vous disant que c'est très différent. Un, la forme de l'État. État unitaire décentralisé. Deux options économiques, le libéralisme. Ce que les John Maynard Keynes, les Adam Smith, les John Locke utilisent depuis la nuit des temps. Et c'est quoi? Je vous ai dit liberté, responsabilité et propriété. Adossé sur trois axes majeurs. La liberté d'entreprendre. Un. Deux. La fonction régulatrice d'un État démocratique. Et enfin... le devoir d'entreprendre. Voilà, c'est-à-dire de solidarité d'entreprendre. Voilà ça, M. Moutomé. Voilà le gouvernement communautaire. Et c'est là où, si vous avez bien suivi le président Ekane, il parlait du libéralisme communautaire tout à l'heure. Oui, et c'est ce qu'il développait. Et de l'autre côté... Je suis loin d'être libéral. J'arrive. Et je peux comprendre que l'âme UPCiste qui est en lui rejaillisse et qu'il ait envie de faire des bises sur les pieds de Paul Biya, qui, en 91, réhabilite les grandes figures de son UPC. Oui, il faut le dire. Après avoir mis des UPC en prison. Il n'y a pas là le problème. Paul Biya a réhabilité. Ça, il faudra d'abord le connaître. Il a réhabilité, en 91, année de braise, les grandes figures historiques de l'UPC. Devrait-on combattre l'idée proposée aujourd'hui par le PC? Oui, seul du fédéralisme communautaire. Oui, pourquoi? Parce que j'ai suivi beaucoup de choses qui m'ont fait lever les cheveux. Par exemple, que mon enfant ne peut pas avoir le terrain que sa mère, d'après leur développement à eux. C'est ce que j'ai suivi. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Non, monsieur Yaga, quand vous parlez, on vous écoute. S'il vous plaît, laissez-moi parler. On peut lui donner, mais il ne peut pas parler. Sur quelle base? Monsieur Yaga, permettez également... On peut parler les bandits. Monsieur Yaga, vous prenez les notes, je vous l'ai vu faire tout à l'heure. Continuez à prendre les notes et on reviendra à vous. Si c'est les Saint-Germain, si c'est une Canalice, si ça ne peut pas comprendre votre fédéralisme communautaire, je doute fort de ma maman qui est en Kololoun. Elle va vous verser de l'eau chaude au visage. Voilà. Avec votre manière de faire là. C'est très grave ce que vous proposez. J'ai suivi, j'ai dit des choses terribles ici. Que mon fils n'a pas droit à parler chez sa maman. Il va se mettre sur partout où je pars. Rien. C'est très grave. Mais, monsieur Moutomé, on parle de ce qui doit rassembler dans la diversité. C'est ça une nation. L'histoire du Cameroun nous le dit. Bien sûr. Deux États qui se retrouvent unis. On enlève le terme unis. Cameroun,
avec une étoile jaune au milieu pour représenter notre rassemblement, l'unité. Notre voisin, une seule entité. Voilà. Et on vient nous parler d'un éclatement, et les boules là-bas, et les bassins là-bas, et les étoiles là-bas. Comment, en 2021, M. Moutoumé? Non! Non! Il se répète. Hein. Il a son temps de parole. C'est la meilleure des pédagogies. Et dans la suite, je voudrais dire à monsieur le conseiller municipal que le statut spécial n'absout en rien la forme unitaire décentralisée qui a lieu même dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Puisqu'elles sont au même niveau, toutes choses par ailleurs égales, avec des conseils régionaux et tout. Mais sauf que dans la troisième option ayant pris pour dans la suite du président Ekané, il y a aussi l'histoire de leur manière de gouvernance là-bas. Ils utilisent ce qu'on appelle l'Indire Rule, qui était chez nous l'administration directe. Napoléonienne. Tout à fait. Et on revient donc, entre guillemets, pour leur donner cela à travers deux chambres. La hausse, en vrai, écoutez-moi, écoutons, prenez les notes, s'il vous plaît. Oui, et on revient là avec deux chambres. La hausse en représentative, donc les représentants qui viennent directement du peuple et qui vont parler d'une manière directe avec l'État central venant du peuple et non plus ces représentants barrières, Sénat, députés et tout, et la hausse of chief. Parce que chez eux, il y a ça de sacré que le chef, l'autorité traditionnelle, l'autorité morale, le garant des traditions a aussi une place prépondérante dans ces cultures du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le dit, il faut le reconnaître. Mais est-ce que dit comme ça, ce n'est pas aussi vanter les mérites de ce fameux fédéralisme communautaire? Oh là là, pourquoi vous voulez tout à tout prix mettre au fédéralisme? Là, on parle. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Pourquoi vous voulez vendre à tout prix cette histoire-là? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça passe. On vous parle, je prends un exemple. Chez nous, les bêtises, la chefferie n'a plus cette place-là, comme ce qu'on voit ailleurs. Ah, il a dit chez vous. Mais, monsieur Yaga, calmez-vous. Vous êtes un peu trop. J'ai l'impression que ça ne va pas. Mais, monsieur Moutoumé. Allez-y. Quand j'arrive dans une cérémonie, qu'elle soit politique ou administrative, quand le grand chef Ebumbo arrive, quand le chef Madiba arrive, quand les Babakoko se lèvent, quand les Dédos se lèvent, je me lève aussi. Parce que c'est ça, le respect de la culture d'autrui, c'est-à-dire le foisonnement. C'est ça. Il n'y a rien de politique. Acceptons nos différences. Quand je vais à l'Ouest, et que pour saluer le chef, c'est pas moi, des banques, je fais aussi, parce que c'est ça le Cameroun. Mais avec eux là, ce qu'ils proposent, c'est que quand le chef les en passe, ils en le respectent, ils s'inclinent, ils lui donnent tous les honneurs. Mais quand le chef de Moutoumé passe, il peut faire... C'est vous qui le dites, on n'a jamais dit ça. Et c'est de ça qu'il s'agit, M. Moutoumé. C'est votre interprétation. Donc, et quand on parle du grand dialogue, je suis surpris qu'un communicant du PCRN, dont le patron discutait la place de président d'une commission au grand dialogue, arrive ici et veulent pourfender les résolutions du grand dialogue. C'est très grave. Faites très attention. Le mercantilisme politique ne veut pas dire qu'il faut ramasser ici, ramasser là-bas, ramasser ici pour faire plaisir à X ou à Y, parce qu'à la fin, on va avoir un capital sympathie populaire pour pouvoir exposer. C'est ce que vous voulez faire. Vous grattez un peu chez les UPCistes, vous grattez un peu chez le RPC, vous grattez un peu chez vos amis du MSC, vous grattez un peu à gauche, et vous voulez maintenant faire un bouillon pour pouvoir le vendre comme ça, et que de tous les côtés, on ait un capital sympathique qui puisse nous envoyer là où vous voulez passer. Merci beaucoup, monsieur Yanga. S'il vous plaît, monsieur. Et je termine par là. Oui, très rapidement. Je voulais dire un mot, Frédéric. S'il vous plaît. J'ai suivi ici que le livre de l'éducation communautaire a fait quoi? Non. C'est un livre qui a été écrit en 1987, qui a été revu, réédité en 2018. C'est 31 ans. D'accord. D'une histoire, d'une vision politique. Aujourd'hui, on est à 39 ou à peu près. Non, le débat de l'éducation n'a rien à voir avec la durée du premier pouvoir. C'est différent. Ce que je veux dire. S'il vous plaît. Alors, on va faire un dernier tour de table autour de cette question-là. Mais je souhaiterais, si vous voulez bien, et M. Yanga, je souhaiterais finir avec vous autour de cette question. Sinon,
Oui, sinon, on va encore vous taper dessus et vous n'aurez pas le temps de vous défendre. Je ne m'attendais pas mieux. Je savais que c'est ce que je vais recevoir. D'accord, ok. Alors, on commencera avec ce respect. Cette idée-là. Non, s'il vous plaît. Camen, vous n'en avez pas une. S'il vous plaît. On commence avec vous. Je vous présente le projet de la part. Monsieur, merci. Alors, c'est ça, on commence avec vous. Vous aurez, s'il vous plaît. Vous aurez 3 minutes autour de cette dernière proposition. Aujourd'hui, il y a ces offres. Il y a également l'offre du PCRN. Oui. On doit pouvoir compter sur toutes les offres avec cette offre. Mais avec cette offre, telle qu'elle est présentée, l'unité nationale court un danger mortel. Je dis bien mortel. Nous ne sommes pas pour les communautés transposées dans le champ politique, je le répète ici. Nous sommes pour le respect de nos richesses basées sur nos cultures. Quand on dit que le Cameroun est une Afrique en miniature, c'est vrai. Nous avons chez nous la culture du Sahel, vous avez la culture des gens de la côte, ceux de la forêt, et ceux des montagnes, des hauts plateaux. C'est une chance. Pour autant, doit-on transposer cet élément dans l'arène politique où on ne veut que des militants pour construire la nation? C'est une question de vision. Ce n'est pas une question de repli identitaire. Pourquoi vouloir effacer les 10 régions actuelles pour en recréer d'autres sur des bases essentiellement communautaires? C'est ethniciser le pays. C'est tribaliser le pays. Donc on fait croire que l'homme camerounais, la femme camerounaise sont incapables de dépasser leurs conditions d'origine. Je n'ai pas choisi de naître là où je suis né. Je suis né à Douala. J'ai grandi à Daido. Le problème des convidats, c'est Daido. Comprenez? Mes parents viennent de l'Ouest, évidemment. Mais on n'a pas choisi là où on est né. Par contre, on choisit d'être républicain. On choisit d'être patriote, d'aimer son pays et le rassemblement. Ce qui nous rassemble, Frédéric Moutoumé, est beaucoup plus important que la division qu'on veut créer. Ah, ça. Ces choses-là n'intéressent pas les Camerounais. Quand on va se livrer à 11 000 francs, comme 11 millions de télé, de, je ne sais pas de quoi, machin, ça les regarde. Mais l'État n'a pas à s'occuper de ça. Notre problème ici, nous voulons demain que le Cameroun place des satellites en orbite. Vous ne pouvez pas évoquer des tribus dans cette affaire-là. Moi, je dis simplement que, vraiment, si vous nous regardez en ce moment, et effectivement, je suis sûr que LTM a beaucoup de téléspectateurs, qu'ils comprennent qu'on doit se liguer pour combattre. C'est une ineptie, cette histoire. C'est une proposition politique. Non, c'est dangereux. Vous savez pourquoi je ne suis pas comme Ed Chungang, pour qu'on interdise le bouquin? Parce qu'il faut laisser les gens parler. Pour qu'on retrouve effectivement le caractère inacceptable de ce livre. Que les gens le lisent, effectivement. Bon, cela rapportera un peu d'argent, mais peu importe. Mais au moins, l'intellect sera sauf. Parce qu'en vérité, ce qui se passe aujourd'hui, regardez, Anissa l'a dit, nous sommes pas, je suis panafricaniste, moi aussi. Donc je pense que l'Afrique, c'est mon avenir à terme. Comme les États-Unis sont devenus les États-Unis. Comprenez? Il y a aussi la guerre entre, il y a eu la guerre à l'époque aussi entre les sudistes et les gens du Nord, qui les uns étaient partisans de l'esclavage, du maintien de l'esclavage, d'autres pour les États-Unis intégrés. Nous sommes à terme pour les États-Unis d'Afrique. Mais on va commencer à parler de tribus ici ou de communautarisme ici. Non, ce n'est pas possible. Mes enfants sont quoi dans cette affaire? Et Charles Elie a raison. L'enfant appartient à ses deux parents, si j'ose dire. On a le droit aussi d'aller chez notre maman et chez notre papa. Ce n'est pas que le père. Et dans beaucoup de pays, on parle d'autorité parentale. Mais nous, ici, on veut parler d'autorité paternelle. C'est vrai qu'il faut un chef dans la maison. Mais les enfants sont le fruit de deux composantes, deux familles qui se rassemblent. Donc il faut abolir, interdire cette idée farfelue, loufoque, de fédéralisme communautaire qui ne répond à rien. Parce que le fédéralisme, c'est un concept de droit public qui est défini dans la Constitution. Le communautarisme, c'est une manière pour des régions, des tribus, de s'organiser. Qu'est-ce que l'État a à voir là-dedans? D'accord. L'État n'a strictement rien à voir là-dedans. Présent, on s'occupe des intérêts généraux. Présent, il faut s'intéresser aux intérêts généraux, c'est ce que pense le président Célestin Dzamel. Mais est-ce qu'on devrait, ou alors, devrait faire une proposition au PCRN de revisiter sa copie pour qu'elle soit plus potable pour les populations? Moi, ils font ce qu'ils veulent. Ben, avant qu'ils ne sortent cette idée encore emballée, il faut le dire. Bon, il y a eu d'autres propositions, elle est encore emballée. Vous voyez,
il n'y a rien d'absolu dans la vie, même pas la mort. Il n'y a rien d'absolu. Donc, il y a des dispositions conjoncturelles, par exemple le statut spécial, qui ne sont pas ad aeternam. L'équilibre régional instauré, il s'arc-boute dans la durée, parce que justement, il y a ce fameux discours qu'on n'est pas mûr. Mais si on est mûr, vous savez, je vous dis que depuis les années 70, le professeur Tata Dieu, mon camarade de classe, et d'autres universitaires ont élaboré toute une construction pour amener rapidement le Cameroun à avoir une langue nationale et des langues régionales. Mais depuis que le parti de Zanga au pouvoir, non, on n'est pas mûr, il y a les communautés, ça va poser des problèmes. Non, quand on dirige un pays, qu'on veut l'intégrer, il faut avoir du volontarisme politique, il faut oser. C'est ça la vision d'un parti politique. Et vous nous condamnez pour ça ? Qui se projette dans l'avenir. Le fameux discours, quand vous dites, non, on ne peut pas parler maintenant nos langues, est complètement erroné. Parce que justement, les Camerounais, notre pays, nos populations se perdent depuis parce qu'on les a enfermés dans ce dualisme anglo-saxon-français et qui nous cause des problèmes aujourd'hui. Si on avait résolu ce problème en essayant de développer, de promouvoir nos langues, on aurait rapidement, depuis les années 60, effacé ce dualisme étranger anglo-saxon. Charles Lizang, on parle de ce communautarisme, mais également il y a cet équilibre régional qui reste un socle de votre formation politique et même du régime qui est accompagné par votre formation politique. Mais pourtant, vous estimez que la communauté est un réel problème au Cameroun. Les régions sont davantage basées sur ces communautés. Monsieur Moutomé, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que mon grand frère Lissekani a soutenu mon candidat lors de la dernière élection présidentielle. Non, mais monsieur, il ne faut pas raconter des histoires. Il ne faut pas raconter des histoires sur un plateau. Je n'ai pas entendu ça. Hein. Jamais de la vie. On ne peut pas et on ne peut pas soutenir la... Nous avons dit plus grave que bien ne se présente pas. On dit plus grave. Nous avons élaboré un programme de gouvernement pour l'ensemble des candidats. Donc je ne sais pas où tenez ça. D'accord, allons-y. Pour continuer. Oui. Allez-y. Voilà. La deuxième chose que je vais dire, c'est que... Donc tu effaces ce que tu as dit. Non, non, non. Je maintiens. Je maintiens. Si ça vous arrange. Oui, je maintiens. La deuxième chose que je vais dire, c'est que vous n'avez pas le monopole du panafricanisme. À partir du moment où les... Non, non. Allez-y. Vous n'avez pas le monopole du panafricanisme président, parce qu'à partir du moment où ceux qui sont les figures parlantes du panafricanisme en Afrique ont reconnu en celui qui est au pouvoir, dont vous avez dit qu'il est mon patron, la force du panafricanisme qu'il est, on peut avancer. La troisième chose, c'est que vous êtes sérieux. Je suis très sérieux. Quand Laurent Gbagbo estime que Paul Biya est l'image actuelle du panafricanisme, il faut le dire. Oui. Et lorsque Mouammar Kadhafi estime que c'est le Cameroun qui devait porter le fonds monétaire africain parce que, étant ce pays-là où les choses se disaient de manière facile et aisée, il faut le reconnaître, monsieur le président. C'est le Cameroun, ce n'est pas pour lui. Non, pourquoi vous avez peur de dire Paul Biya? Non, c'est seulement. Maintenant, je commence par le général pour le parti. Allons-y. Pourquoi ne pas le président? On a très peu de temps. Le Cameroun, c'est Paul Biya. Président. Maintenant, en partant du général le particulier, je voudrais vous faire comprendre que, justement, la multiplicité, le nombre impressionnant des tribus que nous avons dans ce pays peut, si mal organisé, si mal géré, constituer une bombe. Et c'est pourquoi j'ai parlé en deuxième option de la fonction régulatrice d'un État démocratique. Et dans un État démocratique, on essaie de réguler pour qu'il n'y ait pas de minorités et pour qu'il n'y ait pas de frères majorités. Non ! On régule. On régule de telle manière que quand on fait le concours d'une école nationale, par exemple, sur 100 personnes qui réussissent, je prends un exemple comme ça, à bout de point, si vous voyez 100 ans, il y a un problème.
Oui, il y a un problème. Alors l'État prend donc sur lui, hein, M. Moutomé, d'essayer de savoir qu'on prendra 10 ans, même si le 11e qui vient s'appelle Camdem, ou je prends un exemple comme ça, et qui n'a pas la moyenne du 11e, mais qu'au moins qu'il y soit. C'est ça la fonction. C'est pour ça que le Cameroun, depuis des années, est resté ce pays stable. Parce que justement, il y avait cette manière de faire les choses, M. Moutomé. Vous ne serez jamais content, vous, de voir un concours dans une école, un concours national où il n'y a que les ressortissants d'une même tribu qui ont eu ce concours. Non, c'est dangereux. C'est dangereux pour les gens. Ce sont les meilleurs. Il y a donc ce problème-là. Est-ce qu'il donc, il faut donc dire, est-ce que c'est les meilleurs ou alors c'est parce que le concours a été fait pour qu'ils soient les meilleurs? C'est ça le rôle de l'État. Et vous devez donc comme ça remercier. Un déséquilibre de scolarisation des régions. Vous devez donc comme ça remercier. Qui est la conséquence de la mauvaise politique de votre région? Il y a aussi le taux d'attractivité qui a augmenté, qui a explosé. On ne fait pas ce bilan. Je le dis. Il y a aussi le fait qu'on est parti d'université à 9. Monsieur Zang, il y a aussi le fait qu'on a. Il faut continuer, monsieur Pilova. Il faut faire 3 jours dessus pour le bilan Libya. Voilà, je laisse dessus. Donc, pour faire comprendre comment on lui a réussi, tant bien que mal, d'ailleurs, dans cet état où on a 200 partis politiques, on a des partis qui... 300 partis pour être exact aujourd'hui. Voilà. Venir nous tuer, nous diviser, au lieu plutôt de créer un socle sur lequel nous allons nous asseoir pour être réunis et rassemblés et parler tous un même langage. Monsieur Zanga, c'est vous qui avez la parole maintenant. Vous avez 5 minutes très exactement. Et on sortira avec votre idée sur la question. Il a 5 minutes parce que, comme il a dit, vous l'avez assiégé d'attaques de toutes sortes. Même si ce sont des expressions, même si ce sont des idées que vous avez émises sur la table, mais il a reçu pas mal d'invectives et d'attaques aujourd'hui. Le PCRN, avec son fédéralisme comme notaire, doit-il rester arc-bouté dessus? Ou alors se dire, finalement, l'idée était là, les Camerounais ne l'ont pas bien appréciée, ne la comprennent pas encore mieux. Ils ne l'apprécieront jamais. C'est pas mes propos. Ne l'ont pas encore bien appréciée, ne la comprennent peut-être pas bien. Il vaut mieux la ramener encore dans les tiroirs, la retoiletter et revenir avec, peut-être avec un autre concept. Je ne sais pas lequel. Bon, merci. D'abord, je souhaite que pour les 5 minutes, là, qu'on me laisse parler. Hein. Vous aurez 5 minutes, personne ne va vous interrompre. Bon, personne n'a fait le sondage pour se rendre compte que les Camerounais ont rejeté le fédéralisme communautaire. Ne parlons pas des choses de manière légère. Tous ceux qui enseignent savent qu'avant de tirer une telle conclusion, qui est une conclusion extrêmement grave, il faut faire des enquêtes solides. Les faits sont là. Et on n'en a pas fait. C'est pas, l'échantillon ne peut pas être M. Djamène et M. Zan et puis peut-être le président Anissé. Ce n'est pas l'échantillon. Pour, n'est-ce pas, faire une sorte de... C'est-à-dire propager, n'est-ce pas, l'idée sur l'ensemble du territoire. Non. Au contraire, nous sommes au début de la campagne. Et nous savons pertinemment que les leaders politiques qui ont des programmes, qui ont des visions, et d'autres qui n'en ont pas vont contester l'idée. Parce que de toute façon, aucun concurrent politique ne peut venir ici dire que ce que vous avez fait, c'est tout ce qu'on attendait depuis. Pour bien concurrent politique. Non, laissez-moi, M. Zang. Vous avez fait une déclaration. Vous avez 5 minutes pour parler. Vous avez fait une déclaration extrêmement. Pour bien concurrent politique de Cabral. Ou bien parler d'autres personnes. Je veux savoir, parce qu'il dit que les concurrents politiques, Paul Biya est concurrent. Nous parlons des partis politiques. Moi, je ne parle pas des individus ici. Le RPC est donc concurrent au PCRN. En termes de parti, il pose une question simple. Ou bien, monsieur Zan, ne l'interrompez pas. Si vous me permettez de répondre. Laissez-le parler. Monsieur Zan, oui. Lorsque vous êtes leader sur le marché avec 70% des parts de marché. Quel leader? Non, laissez-moi dire ce que je vais dire. Ah, ok. Vous êtes leader sur le marché avec 70% des parts de marché. Oui. Et il y a une autre entreprise qui n'a que 1% de part de marché. C'est votre concurrent. Ah bon? C'est votre concurrent. Allez apprendre ça. Bon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le RDPC est le concurrent du PCR. Ah bon? Oui. Vous avez fait une déclaration extrêmement grave ici, où vous dites que le statut spécial, là, c'est des histoires. On a fait ça pour maquiller. Et les anglophones, ceux qui sont restés les camps anglophones, ont bien suivi. Ils ont compris que vous dites que c'est un saupoudrage et que ça ne sert à rien. Mais ce que je constate, M. Moutomé, c'est que dans les propos des différents panélistes,
il ressort qu'il faut reconnaître quand même un certain nombre, n'est-ce pas, hein, de spécificités. Il en ressort. Sauf que quand on parle de communauté, c'est ça qui pose un problème. Pourtant, une fois encore, on a parlé depuis 87 ici, du libéralisme communautaire. Et là, ça n'a pas fait de problème. Les gens ont applaudi des deux mains et ils continuent à applaudir. Maintenant que c'est le PCRN, parce qu'on va dire, et comme il a d'ailleurs dit, est-ce que c'est un concurrent? Ça veut dire que, bon, ben, le petit PCRN avec le petit Cabral, pourquoi ils veulent montrer qu'ils peuvent proposer une idée sur la table? Laissez-moi, laissez-moi. Je vous suis dans votre raisonnement. Je vous suis dans votre raisonnement. Vous m'avez parlé de, monsieur le président, que Banganté, c'est 13 communautés. Oui, je confirme. Voilà, vous confirmez. Bon, mais... L'Ondé. L'Ondé, si vous voulez, c'est 13 communautés. Notre problème, ce n'est pas les tribus. C'est ce que vous n'avez pas compris. Notre problème, c'est ceux qui ont les mêmes us et coutumes. Il ne s'agit pas de ceux qui parlent forcément la même langue. Il ne s'agit pas de ceux qui parlent forcément la même langue. Vous êtes de la communauté Sawa, monsieur le président. Oui. Vous ne parlez pas la même langue avec les Bandel. Vous ne parlez pas la même langue avec les Yabassi. Vous ne parlez pas la même langue avec mes frères Bassa qui sont du Vouri. Vous ne parlez pas la même langue. Mais vous êtes de la même communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mettre l'accent sur ça, sur la communauté tribale et ethnique. Ça qui me dépasse. Ça vous pose un problème parce que vous, vous parlez de la politique. Laissez-moi, on m'a donné 5 minutes. Mais laissez les cultures surtout. Présent Jamène, présent Jamène. La politique n'a rien à voir là-dedans. Présent Jamène, s'il vous plaît. Je voudrais répondre aussi à Elisa. Si vous avez... Oui, oui, je vais répondre. Parce que vous avez dit, semblé dire ici que je dis qu'on ne reconnaît pas les neveux, etc., les filles des autres. Je vous ai dit ceci. Si j'ai donné ma fille en mariage quelque part, la fille, l'enfant peut venir, mon neveu peut venir chez moi. Je lui donne un espace. Mais il n'a pas à revendiquer ça. Ce n'est pas un droit absolu pour nous. En tout cas, chez moi, c'est ça. Il n'a pas à revendiquer ça absolument. Yanga, ou bien au PCR, ou bien dans le fédéral. Non, je parle du Cameroun. Non. Je parle pas du Cameroun. Je parle du Cameroun. Mais c'est ça, Ton enfant qui est mon neveu, vient chez moi, il a droit à tout ce que je peux lui donner. Mais il ne peut pas venir dans la communauté revendiquer que je suis Banganté. Mais je veux absolument avoir un intérêt ici. J'ai le droit ici. C'est toi qui dis. Non. C'est qui? L'enfant est classé ou dans quelle communauté? C'est moi qui le dis. Dans votre reconstitution, l'enfant est classé où? Dans vos futures régions. Non, laissez-moi parler. Allez-y. Vous étiez les premiers ici à me demander de me taire. Maintenant, vous êtes incapable de vous taire pour que mais je vous dise. Je réponds simplement à ce que vous dites. Monsieur, l'enfant appartient à des communautés. D'accord. Ah mais bon. Oui, mais il a des droits absolus dans une communauté. Il n'a pas des droits absolus dans une autre. Doit-on comprendre? Monsieur Zang, ce cafouillage-là... Quel cafouillage? Je suis pas suivi religieusement. Monsieur Zang, laissez tomber l'affaire. S'il vous plaît. Non. Ce n'est pas. Il vous reste une minute. Oui, non, ça ne peut même pas. Parce que oui, vous passez d'accord. Le temps à suivre le rythme. Non. Suivez le vôtre. Même la situation compte. Il enlève les lunettes, il revient. Il ne peut pas parler de ce projet-là. Vous trouvez ça ne va pas. Il transpire, il enlève les lunettes, je transpire. Ça ne va pas. Allons-y. Non, monsieur Zan. Je donne le mouchoir. Monsieur Zan. Je transpire. À l'entame de cette émission, le président Ekana Nisset a bien dit. Il fait chaud. C'est cette raison que je transpire. Avant de venir à cette réunion, j'ai travaillé tout le temps. Je n'ai même pas eu le temps de me laver avant de dire. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça, ça n'a rien à voir. C'est ce que tu dis qui devait transpirer. Oui, je transpire parce que je suis dans un environnement. C'est difficile de vendre. Non, ne prenez pas ça. Monsieur, s'il vous plaît. Célestin Jamène est présent. On a répondu à votre question. Je porte les lunettes pour lire ce que j'ai écrit. Je ne porte pas les lunettes parce que je suis dépassé. Lisez donc pour la voilà. Reste. Voilà. S'il vous plaît. J'étais donc en train de dire que la reconnaissance des spécificités des régions montre bien que nous sommes dans des différentes communautés et qu'il faut valoriser ces communautés. On valorise pourquoi?
Ils sont ensemble depuis des décennies. Monsieur, 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 depuis. Monsieur Jamel. Votre problème, c'est la politique. Nous, on n'a pas parlé de ça, hein, parce que vous parlez des élections, apparemment, c'est ce qui me semble vous déranger. Nous n'avons jamais, c'est un programme politique, nous n'avons jamais dit que quand M. Diamène va se présenter dans le littoral, on va lui dire que ne se présente pas. C'est pas de ça que nous parlons. C'est ça. C'est pas, non, 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 c'est pas ça, M. Zan. Et je comprends bien que c'est ça votre problème. Bon, c'est donc quoi? Ce n'est pas de ça. J'avais une autre explication, on ne comprend pas. Non, j'ai bien expliqué. À qui? Je vous ai dit que. Tu as dit Bandam et Odi, Douala, oui. Même socle, non? C'est pas toi qui l'as dit ici. Tu dis, tu peux le comprendre. J'ai dit que sont dans la même communauté, mais ne parlent pas de même langue. Ils ne parlent pas de même langue. C'est le même socle culturel. Oui, mais ne parlent pas de même langue. Vous allez m'obliger à stopper cette thématique. Ils ne parlent pas de même langue. Pour passer à la prochaine, s'il vous plaît. Ils ne parlent pas de même langue. Il vaut peut-être mieux. Non. Clôturez donc, rapidement. Oui, j'ai dit que l'idée du fédéralisme communautaire, c'est de rassembler les départements qui sont déjà communautaires en région identitaire, n'est-ce pas? C'est notre vision. Allez-y, allez-y, allez-y. De rassembler donc ces départements communautaires en région identitaire, n'est-ce pas? Pour permettre donc à chaque communauté de mieux s'exprimer. Et par-dessus tout, il y a l'État central qui va gérer l'ensemble de la République et qui va permettre qu'il y ait un ciment national à travers les éléments que j'ai évoqués ici. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci, merci. Monsieur, monsieur. Le système éducatif. Merci, merci. Merci pour votre contribution. S'il vous plaît, monsieur Yanga. Merci pour votre première contribution à cette thématique qui portait sur le fédéralisme communautaire qui nous est proposé par le PCRN comme étant son projet de société, un projet qui est mis en avant à travers un livre qui est au devant de la scène aujourd'hui, un livre qui davantage est vendu et on aura peut-être la possibilité d'avoir, si son programme le permet, le président du PCRN, l'honorable Kabralibi, en un invité spécial dans le cadre de cette émission de Tout au clair pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Alors, si vous le permettez, il nous reste 20 minutes, dont 15 de débat et 5 pour les SMS. Avec cette émission, s'il vous plaît, on parlera en très peu de temps de cette querelle qui est née une fois de plus entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. On a reçu des messages, des voices et même des vidéos et des photos des Camerounais qui se plaignent d'être marginalisés, traqués comme des animaux en Guinée équatoriale. Une situation d'ailleurs qui a valu une sortie de l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale. Serge Elizan, pourquoi une fois encore cette espèce de chasse à l'homme né en Guinée équatoriale? Il faut d'abord restituer les faits. Un, d'après le communiqué du ministère des Affaires étrangères guinéen, il s'agit des étrangers en situation irrégulière. D'après leur communiqué, il ne s'agit pas d'une chasse particulière pour les Camerounais. Il s'agit des étrangers dans ce territoire en situation irrégulière. Deux. Maintenant, étant Camerounais, je me dois de me préoccuper des miens. Ce que je constate juste, c'est que pendant qu'on va vers, après le sommet extraordinaire de la CEMAC, où il y a l'une des résolutions qui parle du renforcement de plus en plus accéléré de les relations sous-régionales entre les différents États, qu'on en soit encore à vivre ce genre d'image où on pourchasse, le thème a toute sa place, certains compatriotes venus des pays voisins qui viennent chercher fortune là-bas. Maintenant, ça s'explique pourquoi? Parce que la Guinée équatoriale n'est plus l'Eldorado qu'elle croyait être elle-même lorsque le prix du baril du pétrole était à son paroxysme. Aujourd'hui, avec le choc pétrolier, la Guinée équatoriale elle-même peine à payer ses propres fonctionnaires. Il faut qu'on dise à ceux qui nous écoutent que c'est la caisse de stabilisation solidaire détenue à 66% par le Cameroun, 34% par le Gabon de la BEAC qui a permis pendant les 4 ans passés le paiement des salaires et les autres prestations de services de ces pays-là qui allaient rembourser plus tard lorsque le cours du pétrole allait prendre le dessus. Donc, j'ai mal de voir ce genre d'image. Je comprends juste que la Guinée équatoriale, dans son plan qu'elle dit redresser de manière économique, veut chasser les étrangers parce qu'ils viennent occuper les petits boulots que certains Équatoriens pouvaient occuper. Et ça fait que la caisse sociale
a explosé parce qu'il faut soutenir les uns les autres. Donc voilà, mais c'est très 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 mauvais comme image parce qu'en ce moment, on va plus au renforcement des liens sous-régionaux et qu'on en vive encore avec cette situation, c'est pas bon. Alors, Célestin Djamène, le communiqué de l'ambassadeur du Cameroun à Guinée équatoriale précise que la sortie du ministre des Affaires étrangères met davantage en exergue la situation de clandestins pour ces étrangers, notamment des Camerounais pour la plupart, qui sont arrivés en Guinée équatoriale sans aucun document officiel. Est-ce un prétexte qui est mis en avant par l'État équato-guinéen dans une situation où cet État-là est fortement critiqué de cette espèce de chasse à l'homme organisée dans son pays? Il faut dire, mon cher Frédéric, que depuis des décennies, il y a une circulation libre des biens des personnes entre les quatre États sur six de l'Afrique centrale. Le Congo, le Tchad, la Centrafrique et, le Cameroun, évidemment. Mais il y a deux États qui posent problème, Et c'est les deux États lilliputiens, si j'ose dire, sans grossièreté, de la CEMAC. Parce que depuis 15 ans, il y a eu des débats qui ont abouti en 2017 à la signature d'un accord sur la libre circulation, même si la Guinée équatoriale a sorti de la production d'un passeport biométrique, n'est-ce pas, un passeport CEMAC. Mais en tout cas, depuis le 24 novembre 2017, la Guinée équatoriale a signé un accord sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEMAC. Et je rappelle, entre autres, qu'en 2015, la Guinée équatoriale construit un mur du côté de Kiosi pour empêcher uniquement les Camerounais de passer la frontière. Il y a un problème camerounais en Guinée équatoriale. Ils vont saupoudrer en disant que c'est tout le monde. Officiellement, c'est vrai. Mais on sait que la cible, c'est les Camerounais. Le mur de la honte, ça me fait penser à Berlin en 89. Cela valait d'ailleurs la descente sur le terrain de deux ministres de la Défense. Du ministre de l'administration territoriale d'un côté et de l'autre côté, Joseph Boutiassoma, le ministre. Il y a eu des concertations, il y a eu des rencontres qui avaient été conduites par les deux présidents et le ministre camerounais avait été reçu en audience en Guinée équatoriale par le président Obiang Nguema. C'est pour dire qu'il faut construire des ponts dans le CEMAC et pas des murs. Mais c'est une honte. Que dans la petite sous-région, je rappelle que les quatre États de la sous-région constituent 95% de la population. Le Gabon, je ne sais même pas s'ils ont 2 millions d'habitants. La Guinée équatoriale, encore moins. Ce sont des États qui constitueraient ici, chez nous, à Bonabéry, à Douala, un quartier, si j'ose dire. Si nous étions méchants, on enverrait une expédition de Bonabéry aller s'occuper de la Guinée équatoriale. Faut pas non plus être méchant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut respecter les accords. Il y a libre en Afrique de l'Ouest, ça se fait déjà depuis très longtemps. Donc il faut une volonté politique d'accepter que les accords signés soient implémentés sur le terrain. D'où vient-il que, et ce n'est pas la première fois, les Camerounais, essentiellement eux, même si on étend ça aux autres, sont pourchassés en Guinée équatoriale. Moi je propose à mes compatriotes qu'ils n'y aillent plus. Il y a tant à faire au Cameroun. Il y a tellement d'opportunités chez nous, tellement de richesses chez nous. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas? C'est nous qui payons le salaire, la décision. Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Donc moi je dis que la Guinée équatoriale, beaucoup moins le Gabon ces temps-ci, mais beaucoup plus maintenant la Guinée équatoriale, ils doivent arrêter ça. Mais respecter les accords. Vous signez des accords, mais respectez donc que les Camerounais puissent circuler dans toute la CEMAC. C'est pas compliqué. Pourquoi la CDAO le fait depuis des années? Ça ne pose problème à personne. Maintenant, quand on revient en Afrique centrale, eh bien, il faut que la Guinée équatoriale s'y oppose. Mais ils ne sont pas seuls dans la CEMAC quand même. D'accord. Alors, ils ne sont pas seuls dans la CEMAC, mais il y a cette situation. La Guinée équatoriale dit officiellement avoir demandé la collaboration et la contribution des autres États pour permettre ce rapatriement des étrangers en situation irrégulière, dont les Camerounais. Pourtant, les Camerounais qui ont été rapatriés disent être en situation régulière et ne sauraient faire l'objet de quelque rapatriement que ce soit. Doit-on finalement dire qu'il y a un réel problème camerounais en Guinée équatoriale? Si je m'en tiens à ce que dit Célestin Djamène. Moi, ce que je m'en tiens au communiqué de l'ambassadeur, par contre, parce qu'il a dit, je l'ai lu, que depuis le 1er novembre, on arrête les Camerounais en Malabo, et du 30 octobre à Bata. Bon, le sentiment national veut bien qu'on dise que
cette situation est une situation préoccupante, surtout que ce n'est pas une première. On a toujours constaté, n'est-ce pas, ce refus-là catégorique. Et comme Célestin Diamen le dit, quand on parle des entraves, n'est-ce pas, à la libre circulation des hommes et des biens, on voit bien ces deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut revenir sur les causes. Pourquoi les Camerounais vont-ils en Guinée équatoriale? Et c'est là où je vais interpeller mon ami Élisan. Il dit dans ce plateau que c'est nous qui payons les salaires, c'est nous. Je veux bien croire à ça, je n'en disconviens pas. Pourquoi ces moyens-là qu'on met à la disposition de la Guinée équatoriale, on ne peut pas, n'est-ce pas, les mettre ici à la disposition de ces Camerounais? Pourquoi les Américains? Et bien d'autres, vous voyez, quand on parle... Allez-y. Et bien d'autres, pour que les Camerounais apprennent à se sédentariser. Pourquoi on ne le fait pas? On laisse que la situation pourrisse chez nous et que, comme à la sauvette, les gens aillent n'importe où pour se faire ridiculiser de cette façon. Ça montre bien que le régime actuel n'a pas une véritable politique pour retenir. Et parmi ces gens qui vont là-bas, il y a des personnalités ex-qualité sur bien des domaines, mais qui n'arrivent pas à trouver. Je suis surpris que Célestin Diamen dise qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je vais y en croire à ça. Mais pourquoi ils vont? Pourquoi ces gens vont? Est-ce que vous les interrogez pour qu'ils vous disent pourquoi? Vous en faites quoi, Douala? Vous en faites quoi, Douala? Pourquoi vous n'en êtes pas... Allez. 16 ans, on va vous le dire. Bon, on va dire que 16 ans, ils en peuvent être... Vous êtes dangereux, hein? Je ne suis pas dangereux. Vous l'empêchez, vous voir comme elle veut. Je dis que il faut questionner les causes, n'est-ce pas, de cet exode massif vers les autres pays. Pourquoi ne restait-il pas haut? Les Français font quoi au Cameroun? Allez-y. Au Cameroun. Les Camerounais sont chassés en Guinée équatoriale. Ils sont donc chassés en Guinée équatoriale. L'État central doit se préoccuper de la question pour dire. Depuis beaucoup de temps, on refoule les nôtres dans ces pays. Quelle est la politique que je vais mettre en place pour les empêcher, n'est-ce pas, de subir de telles sortes? Voilà la problématique. D'accord. Et même ces Camerounais, je sors par là. Oui. Ces Camerounais eux-mêmes. Et là, je vais raisonner comme mon ami Zan. Pour dire que. Il ne faut pas avoir cette illusion qui consiste à dire que je vais être, pour parler comme au quartier, quelqu'un en allant chez les autres. On peut devenir tout ce qu'on veut dans son propre pays. Président Sekani, que doit faire le gouvernement de Yaoundé ou les autres pays face à cette situation? Moi, je dis qu'il faut déjà dire que c'est un scandale qu'on arrive à une situation pareille dans une sous-région avec des mini-États... Vraiment, c'est l'échec de l'OUA et de l'UA et de la CEMAC. Donc il faut le dire, bon, ils ont un peu embêté parce qu'il a parlé du panafricanisme. Est-ce qu'on peut parler du panafricanisme avec des situations aussi scandaleuses? Même les Européens circulent dans leur espace en toute liberté. Ouais. Vous voyez? La plupart des Espagnols ou des Européens qui sont en Guinée sont également en situation irrégulière. Donc c'est un prétexte. Pourquoi on ne cherche pas les Occidentaux de Guinée? Exactement. C'est lié au caractère spécial de nos régimes, qui sont des régimes néocoloniaux comme celui du RDPC, où l'intérêt du Cameroun, l'intérêt de l'Afrique ne sont pas privilégiés. Ici, moi je le sais, puisque j'ai pu m'en inquiéter. Une grande partie des Européens qui sont ici sont dans une situation irrégulière. Sans papier. Ils sont sans papier. C'est vrai en Guinée, c'est vrai au Congo, c'est vrai au Tchad. Mais quand il faut trouver un prétexte, lorsque les gouvernements sont en difficulté sur le plan socio-économique, on trouve les boucs émissaires. Les boucs émissaires, c'est les Africains. Alors qu'on est dans la CEMAC, on est dans l'UA, on a signé les accords sur la libre circulation des biens et des personnes. C'est l'échec de la soi-disant politique panafricaniste de Saint-Barthélemy, qu'on appelle le ZAN. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre à faire? Doit-on simplement rapatrier nos compatriotes en se disant il vaut mieux ne plus aller en Guinée équatoriale? Non, de toutes les manières, on peut pas. Si on les chasse, il faut bien les récupérer. Mais il faut au moins des mesures de rétorsion pour faire comprendre à nos frères qui dirigent
la Guinée équatoriale que ce n'est pas sérieux. D'accord. Alors, on n'a plus de temps du tout, Charles Elisan. Il n'y aura pas de temps pour revenir sur le sujet. C'est vous qui avez parlé de Saint-Barthélemy. Permettez-moi de pouvoir lire les SMS des Camerounais qui ont contribué à cette émission ce soir. Jacques Maboula Mbouya, président de l'Alliance républicaine. Les Camerounais sont les héritiers d'un édifice Cameroun ayant une fondation nationale appelée l'unité et l'intégrité nationale. On ne change la forme d'un édifice ayant déjà une fondation. Les Camerounais ont un problème de justice sociale et d'égalité des chances pour tous et partout, sans distinction ni discrimination de langue, tribu, religion, appartenance politique ou philosophique. Ne cédons pas aux conséquences de la paupérisation généralisée de la nation et des communautés pour compromettre notre plus belle idée sociétale qu'est la République, qui, pour l'Alliance républicaine, reste l'égalité des chances de tous les citoyens en droit et en devoir sur l'étendue du territoire national. Je le dis, c'est Jacques Maboula Mbouya qui également nous a envoyé son message. Alors, ce militant du PCRN, l'organisation administrative de la région de l'Ouest avec les 7 départements bamiléké, reflète mieux le fédéralisme communautaire. Chacun de nous est identifié comme appartenant à une communauté. Dites à M. Ndjamin que Figil est de fief du PCRN, que la région du Nord, ainsi que la région, je reprends le SMS, hein, ainsi que toute la région du Nord Cameroun, c'est Zumba Bab. Pabamé, qui est également militant du PCRN. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Ndjamin est d'abord bangante avant d'être camerounais. La preuve, c'est qu'en prenant une nationalité étrangère, il cesse d'être camerounais, mais restera toujours bangante. Il fait exprès d'entretenir la confusion autour des tribus, ce qui n'a rien à voir avec le régionalisme identitaire que propose le PCRN. Le redécoupage administratif que propose le PCRN ne colle aucunement une identité aux individus, donc aux Camerounais, qui seront toujours libres de vivre et de s'installer partout sur l'ensemble du territoire camerounais. Jamais il ne sera question de déplacer les Camerounais pour les renvoyer dans leur région d'origine. C'est ce que pense également le conseiller municipal Jean-Vincent de Paulier, des militants du PCRN, conseil municipal. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut dire à M. Anissé Kanek qu'il y a... Ce n'est pas le sujet, honorable Ayoum, ce n'est pas le sujet. Il faut dire. Non, il est question de vous dire qu'il y a des vidéos de vous annonçant votre soutien indéfectible à la candidature du président Paul Biya lors de la présidentielle de 2018. C'est ce que pense. Il faut qu'il les envoie, ce serait mieux. Oui, ce ne sera pas dans cette émission de toutes les façons. Alors, on va prendre également d'autres SMS si le contrôle nous le permet ce soir. J'espère qu'on ne sera pas trahi par la machine comme on l'a été hier. Quelques messages qui nous permettraient également d'être en phase avec ceux qui nous ont envoyé des messages dans le cadre de ce programme de Tout au clair sur la télévision du monde. Ils sont très nombreux à nous avoir écrit encore ce soir, comme tous les autres soirs, 21h-23h sur la télévision du monde. Alors ce premier message qui rentre dans la série des messages que nous avons reçus ce soir, bonsoir à vous sur le plateau, M. Moutomé. Alors, d'accord, je retrouve le SMS. J'espère que le contrôle va nous permettre de pouvoir y arriver. Alors, il nous joue encore des sales tours ce soir. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Je suis de ceux qui pensent que l'offre du PCRN est également à saluer, même si cela ne plaît pas à certains caciques de l'opposition qui n'ont jusqu'ici rien proposé et sont obligés, malheureusement, de décrier une offre qui est saine et proposée par une formation politique. C'est ce que pense ce téléspectateur. Je ne sais pas s'il est du PCRN ou il est d'une autre formation politique. Bonsoir à voilà vous. Le vote. S'il vous plaît, permettez-moi de pouvoir lire les SMS. C'est le temps des SMS, bien évidemment. Bonsoir à vous également sur le plateau. S'il vous plaît, monsieur Yanga. C'est pas le temps de la rigolade, c'est le temps des téléspectateurs parce qu'ils font partie également de ce programme de Tout au clair sur la télévision du monde. Il y aura pas mal de messages encore ce soir. Il y en a même d'ailleurs plusieurs. Hein. Le contrôle, malheureusement, nous embête et nous empêche de pouvoir continuer la lecture des
SMS encore ce soir. Il y en a plusieurs. S'il vous plaît, nous excusons et nous espérons pouvoir remédier très rapidement à cette problématique ou à ce problème de ce prompteur qui a du mal à pouvoir démarrer. Mais nous vous rassurons également que nous vous serons du rendez-vous ce mercredi 21h-23h sur la télévision du monde. Une nouvelle thématique, de nouveaux invités. Mais avant, nous voulons déjà dire merci à tous ces Camerounais qui étaient avec nous ce soir. Charles-Élie Zanzan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le sieur Marc Yanga du PCRN, le président Anis Ekane, président national du Manidem, mais également le président de l'APAR, le président national d'ailleurs de cette formation politique, toute jeune formation politique. D'accord. Merci à vous tous, messieurs, d'avoir contribué encore à ce programme de Tout au clair de ce mardi sur la télévision du monde. Merci également à ceux qui nous ont écrit sur notre plateforme Facebook. Continuez à nous faire confiance lundi, mardi, mercredi. Puis vous savez, c'est 300 sur Boukengana Sat, LTM TV officiel sur la page Facebook. Bonsoir à toutes et à tous.